stronger or fall down on your knees? And would you stay with me if you knew that I was lying? Would you walk away or turn the other cheek? I tremble where I stand. My wish is your command. The nature of a truly desperate heart. Give me something real that I can truly feel. Liar, liar, on the wall. Votre entrée dans l'âge adulte s'est faite dans une sorte de cacophonie silencieuse. Les vibrations des basses résonnent encore dans vos oreilles, tandis que vous vous réveillez avec cette sorte de gueule de bois, comme si vous vous leviez dans un rêve. Et en contraste avec ce vrombissement, le silence du salon dans lequel vous entrez vous terrasse, vous assaille de ces mauvaises nouvelles. Le suicide d'Amandine, bien sûr, mais également les conséquences du coup de poing que Lucius a infligé à une non-bug. Le choc est violent. Cette cacophonie silencieuse vous assourdit, comme si vous n'aviez plus rien autour de vous. Et juste les conséquences de vos actes pèse sur vous, ces conséquences sourdes de votre nuit alcoolisée. Kara, donc tu apprends la nouvelle en arrivant dans le salon de chez Maria. Rappelle-nous comment tu réagis. En voyant le journal, je peux pas y croire. C'est le déni, c'est pas possible. Donc je à demi paralysée, en fait, je prends le journal et j'ai peur de ce que je vais lire. J'ai peur que en clignant des yeux, le truc disparaisse pas et soit encore là. Et je me mets à lire l'article pour savoir ce que ça dit. Est-ce que c'est bien Amandine? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Et tu ne te trompes pas, il s'agit bien d'Amandine. Là, tu vois effectivement une photo de ton amie dans le journal, une photo, un portrait où elle sourit un petit peu crispée. J'arrive plus à me concentrer de voir ça, c'est juste pas possible, elle est... Et je me prends une vague énorme de culpabilité dans la figure parce que je me dis que j'aurais dû le voir venir, j'aurais dû pouvoir faire quelque chose et le journal me tombe des mains et je me retourne sur moi-même, je serre les poings et je fais un coup de poing dans le mur et je cogne ma tête au mur avec une main sur mes yeux et j'essaye de réfléchir, mais j'arrive plus. Je suis complètement hors service. Je m'en veux. Je suis tellement triste.
triste et désespérée moi-même de ça que je suis en train de bugger en fait. Au moment où tu es entrée dans le salon, Maria a entendu tes pas dans le couloir, elle t'a entendu arriver, et elle évidemment elle a lu le journal avant toi et elle te rejoint en fait dans le salon, les yeux un peu gorgés de larmes en fait, et elle vient pour t'enlacer, pour te procurer du réconfort et en avoir aussi en retour, parce que tu invitais régulièrement Amandine à la maison, donc c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Quand je la vois arriver et que je vois son regard en fait, je me rends compte que moi-même j'ai les yeux qui sont complètement embués de larmes et je jette un regard qui traduit toute ma tristesse et on se jette mutuellement dans les bras l'une de l'autre, on s'enlace et j'autorise mes larmes à couler et je me laisse aller à juste octer de tristesse sans parler et à la serrer fort parce que je tiens à elle et que c'est mon rock là maintenant et j'ai vraiment besoin de elle. C'est horrible. Ils ne disent rien dans l'article. Elle avait l'air bien, non, la dernière fois. Bah, pas tant que ça. Quand on y réfléchit, on aurait dû le voir. Et puis, je l'avais vu mercredi et ça faisait un petit moment qu'elle nous disait qu'elle lisait des poèmes tristes et que ça lui parlait vraiment, que ça la touchait beaucoup. Et samedi, elle est pas venue à la maison. Et alors, je croyais que c'était parce que j'allais la retrouver à la fête, mais à la fête, elle était pas là. Et j'aurais dû faire quelque chose, maman, c'est ma faute. Oh, chérie, c'est pas ta faute. Il faut pas se dire ce genre de choses. Si c'est comme ça, elle l'aurait fait d'une manière ou d'une autre. Mais non, justement, non. Parce qu'elle était libre. Et on est ses amis. Alors, c'était pas écrit qu'elle devait mourir. Enfin, c'est à nous, c'est à ses amis de voir ce genre de choses. Et on l'a pas vu. On l'a pas vu ou on a préféré pas regarder, en fait. Je sais pas. Mais j'aurais dû aller la voir hier. Elle prend, elle te détache un petit peu d'elle pour prendre ton visage en fait dans ses mains, coller la paume de ses mains contre tes joues et te regarder en fait dans les yeux, droit dans les yeux. Et ne pense pas ça, tu n'as pas le droit de penser ce genre de choses. Ce n'est pas ta faute. Ma chérie, regarde-moi, tu m'entends ? Je me lève la tête en reniflant. Ce n'est pas ta faute. Tu ne m'as pas aidé à mourir. Peut-être que tu n'étais pas là et aucun de nous n'y était. Mais c'est justement ça le problème. C'est... un bon ami, ça doit être là quand ça va pas bien. Et elle m'a pas dit je vais pas bien, je pense à la mort, mais elle a envoyé tellement de signes. Comment j'ai pu louper ça? Tu vois qu'elle en trouve la bouche comme si elle essayait de trouver des... Mais elle est à court d'arguments, elle est... À part te répéter sans cesse que ce n'est pas ta faute, du coup elle te replaque contre elle et te serre parce que elle n'a rien d'autre à dire. Au loin, vous entendez des sortes de hurlements, une sorte de foule qui s'agite en fait. Et si vous regardez par la fenêtre, vous voyez que
vous habitez effectivement un petit peu en hauteur par rapport à la, au pôle, au reste de la base, et vous voyez qu'il y a une énorme foule qui commence à se diriger vers l'endroit où vous habitez. C'est assez loin encore, mais vous habitez clairement dans les beaux quartiers, hein, dans les quartiers privilégiés. En bas, c'est plutôt une sorte de bas quartier, de quartier beaucoup plus populaire, et il y a une sorte de foule qui commence à se diriger vers vous. La foule est encore assez éloignée. Cette même foule, vous la voyez dans l'écran, enfin sur l'écran de la télévision chez Michel Cetra. Lucius et Max, vous avez vu les nouvelles. Vous avez vu les nouvelles vis-à-vis d'Amandine. La deuxième nouvelle, c'est que apparemment il y a un gros mouvement de foule qui des bas quartiers qui commence à se diriger vers les quartiers beaucoup plus favorisés. Max, rappelle-nous comment tu réagis face à ces nouvelles. J'étais en train de descendre les escaliers parce que je réalise ce qui passe à la télé. Et je sais que c'est vrai, que ce n'est pas une hallucination, parce que quelque part je l'ai senti venir en fait. J'avais trouvé ça bizarre qu'Amandine ait été manquant durant la soirée. Et puis je commence à recoller un peu tous les wagons et là les jambes m'en tombent un peu et puis je me mets en tailleur au sol et puis je mets mon visage dans mes mains j'essaie de revoir la scène de la soirée et du mercredi où on est allé la voir et clairement je m'en veux aussi et je tourne un peu en boucle là-dessus pendant un petit moment et je regarde je fais pas trop attention à ce qui passe à la télé, à la foule pour l'instant, et de temps en temps je porte un regard à Lucius pour voir si c'est un regard jugeur ou pas, et je regarde aussi Michel pour voir si je vois qu'il porte un regard accusateur ou non. Lucius te regarde du coin de l'œil, il se masse les tempes et putain, oh mec, j'ai mal au crâne. Je l'ai vu venir. C'est évident, le fils, on aurait dû faire quelque chose. Putain de poème de merde. J'aurais dû les bouffer, du coup, là. Michel Cetra, lui, est assis dans son grand fauteuil. Il a un petit verre à la main, déjà du matin. Signe que ça ne va pas. En général, chez Michel Cetra. Il vous regarde effectivement avec un air accusateur. Il commence à vous dire vous ferez mieux de vous préparer parce que, au vu de ce qui se passe dans les bas quartiers, le père Gladius, il va très certainement vous convoquer. Putain, relou dès le matin. Ouais, ceci. L'ordre et la rigueur. Vous devez faire si fort. Là, je m'enlève et je dis à Michel faut que je passe voir Kara. Faut que je la voie. Ah bon, oui, il a dû. Vas-y, je t'en prie, tu fais ce que tu veux. Vraiment, faites ce que vous voulez. Je m'habille rapidement et je pars en direction de la maison de Kara. D'accord. Du coup, pendant que tu fais ça, Lucius, il va simplement demander des cachets à Cetra pour le mal de tête
et la gueule de bois. Bien sûr. Bah, Michel Cetra va donner à Lucius effectivement de quoi, mais de manière très dédaigneuse, limite en lui jetant les cachets, quoi. Côté chez Gladius, la scène est aussi terrible, puisque Nathan et Alexis se retrouvent face à cette nouvelle. Ils ont dans le salon un Gladius Ward en tenue militaire. Barbara est en train de l'apprêter un petit peu, de lui remettre la cravate en place, les quelques médailles, les épaulettes. Il a un air très sec, très sévère. Barbara est très nerveuse en faisant ça, tandis que Gladius est stoïque, droit comme un i. Il a lu le journal, il regarde le journal qui est ouvert à la page du fait divers, du coup de poing en fait de Lucius sur la non-bug. Et rappelez-moi un peu quelles étaient vos réactions, Nathan et Alexis. Mais de mon côté, moi, c'était la dévastation totale. C'est vrai qu'en voyant Gladius, c'est vraiment son regard dur avec la nouvelle en même temps. C'est sûr que ça pouvait pas être quelque chose d'inventé. Et en même temps, tous les signes qu'en Nathan avait vu, petit à petit dans la semaine, voir que les signes avant-coureurs, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais bon, il se disait que ça allait peut-être passer encore et il se rend compte que finalement, voilà, maintenant il est devant le fait accompli, il y a un gros vide qui se met dans son esprit et les larmes commencent à couler toutes seules finalement. Et en fait, même en voyant Gladius, par un réflexe mécanique, il va juste en fait courir vers la porte, vraiment comme si, et aller dehors en fait, il va se retrouver à tomber sur le sol et juste à crier de toutes ses forces, les larmes coulant sur son visage. Parce qu'il a perdu la personne qui lui a sauvé la vie quand il était plus jeune, même s'il voulait pas parler de ses sentiments. Et il est vraiment dévasté par ça, parce que finalement il a pensé à ses intérêts en essayant de draguer Lina sur une soirée sans même se soucier de savoir si Amandine venait ou pas. Et il se sent responsable de sa mort. Alexis ? Bah, en fait, quand je vois Zéro qui part de la pièce, et que je vois le titre dans le journal, ben, en fait, ça m'affecte, mais pas ricochet. Ça m'affecte pas directement pour Amandine, parce que depuis toutes ces années, j'avais mis des barrières et j'avais commencé à me détacher. Mais en fait, ce qui me surprend, c'est que, ben, en fait, ça m'affecte que Zéro soit mal. Et depuis, depuis qu'il y a eu l'annonce qu'on partait en mission bientôt et qu'il y a eu notre passage à la vie d'adulte, en fait, j'ai toujours voulu me détacher des gens pour pas être affecté et pour être plus efficace en tant que soldat, mais en même temps, s'avère que ce que j'avais pas prévu, c'est que j'aurais peur pour les autres, et c'est ce que j'ai toujours voulu éviter en étant distante. Et c'est pour ça que j'ai donné mes cachets, mes compléments alimentaires à Zéro. C'est parce que j'ai peur que si on part en mission, il meurt. Et là, de le voir affecté, en fait, ça me surprend, mais en fait, je sors dehors et je le vois sur le sol et je le prends dans mes bras, en fait. Et je lui dis rien parce que je vois pas comment le consoler. Enfin, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, en fait, par le passé, en fait, c'est la seule fois où j'ai ouvert les vannes comme ça, c'était avec Vanessa, et voilà. Et j'ai essayé d'y mettre un terme, donc là... Bon, là, je me rends compte que je suis pas si hermétique que ça, voilà. Du coup, tu rejoins Zéro pour le consoler un petit peu, si je puis dire. Donc, vous laissez la porte ouverte et vous entendez Barbara qui parle à Gladius, qui dit « Les enfants devraient peut-être pas rester dehors avec les événements. Hein. » Ils pourraient... Ne t'en fais pas. Ils vont venir avec moi au conseil. Nous avons à parler. Barricade-toi à la maison. Ferme les volets. Et appelle Hector et Elios. Oui, oui. Très bien. Bien.
Vous voyez Gladius qui sort, droit, toujours stoïque, et il commence avec un air un petit peu sévère et désolé de vous dire « Vous devez me suivre. Je vais réunir le conseil, nous avons en discuté. » Mais en fait, quand je l'ai vu sortir, je me suis relevé en essayant de soulever Zéro pour le prendre sous mon épaule pour faire comme s'il se tenait droit, parce que je pense que devant Gladius, c'est important de montrer qu'on a de la tenue et qu'on n'est pas faible, donc voilà. Donc même s'il n'a pas la force de se lever, j'essaie de le soutenir. Ouais, et du coup, une fois qu'il vous a dit ça, il va retourner dans la maison, vous voyez prendre le téléphone et il va commencer à appeler Michel Cetra, appeler Maria Gridway, et très vite, pour Clara et Max de votre côté, vous allez très vite comprendre que vous êtes attendu au conseil. Ceci étant dit, Max est allé chez Maria pour justement rencontrer Clara avant d'aller au conseil, c'est ça? Oui. Alors, je vous en prie. Je me présente devant la porte de chez Maria Gridway. Et je tape d'un air un peu hésitant. Maria va ouvrir, mais regardez qui vient, et du coup tu vas voir une Maria qui est en pleurs t'ouvrir la porte et te laisser rentrer et fermer la porte derrière toi. Je dis un bonjour timide à Maria et je cherche du regard si je vois Clara. Bah, moi je suis un peu plus loin dans le couloir et tu peux voir que j'ai pleuré, que je suis en larmes, que je suis pas bien, mais quand je te vois mon regard passe de la tristesse et de la curiosité aussi de savoir qui est-ce qui venait nous déranger dans cet instant, tu vois que j'ai un regard dur, que visiblement je t'en veux. Je m'approche de toi. Enfin, je sens que tu es en colère contre moi, donc au début je commence à m'approcher d'un pas rapide, et puis quand je vois que tu portes un regard un peu dur, accusateur, je fais juste un petit mouvement de bras pour une accolade, mais tu vois, je reste un peu hésitant, quoi. J'attends que tu fasses un pas, quoi. Mais tu peux te rendre compte que j'hésite entre te prendre dans mes bras et te coller un pain. Parce que clairement je suis extrêmement triste. Et mais en même temps je suis aussi extrêmement en colère. Et tu comprends que ma colère est dirigée visiblement, enfin là en ce moment en particulier sur toi, mais de ce que tu me connais, c'est pas forcément que sur toi, ça doit être contre moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris la nouvelle pour Amandine. Toi aussi, tu l'avais vu venir. C'était gros pourtant. Tu l'avais vu venir. Là, je te pousse. Clairement, c'est le mot-clé qui fait péter le bouchon de pression, quoi. Tu l'avais vu venir. Tu viens ici et tu me dis que tu l'avais vu venir et que t'as rien fait. Là, je sais. Tu vois que Max, il sait pas où regarder. Il est vraiment désemparé, quoi. Il sait pas quoi dire, en tout cas, il arrive pas à te regarder de face, quoi. Bah, le fait que tu montres du remords et que tu baisses la tête, etc., semble, du moins provisoirement, retenir le flot de fureur de mon flot de fureur.
parce que je continue plus à te pousser. Et tu peux apercevoir avec ta tête baissée que j'ai les poings qui se contractent et qui se décontractent très vite. Et tu m'entends respirer et je dis on a eu un appel, il faut qu'on aille au conseil. Viens. Et je te prends par la main et puis on va se diriger vers la sortie. Et avant de sortir, je m'arrête devant Maria. Et là, c'est plus la colère, mon émotion dominante, c'est à nouveau la tristesse. Et je l'enlace une dernière fois en lui disant que je reviens vite. Elle te suit, hein. Enfin, elle va au conseil également. Donc, elle ferme la porte derrière vous et elle va venir. Bah, du coup, on y va, mais clairement, à part si on m'adresse la parole, en fait, je vais pas piper mot. Et si jamais c'est Max qui m'adresse la parole, il a intérêt à vraiment bien choisir ses mots parce que il peut sentir sans aucun problème que au moindre mot de travers, la fureur va ressortir. Max dira rien pendant le voyage. Pendant que Kara, Max et Maria font le trajet, Maria dira faut pas trop traîner non plus dans les rues. Apparemment, il y a des émeutes. Dépêchons-nous. Des émeutes ? Je sais pas. Gladius m'a dit ça. Enfin, Monsieur Sword a dit ça au téléphone. Elle se reprend. Elle a, dans l'intimité. Enfin, ils s'appellent plutôt par leur prénom. Elle a fait un petit lapsus, quoi. M'a dit qu'il y avait des émeutes. Ils convoquent le conseil. Tout le protocole militaire, etc. Enfin bon, on y va. Donc j'affiche un air particulièrement soucieux pendant le trajet, du coup. Je me concentre plus sur ce problème-là maintenant que sur la mort d'Amandine, c'est ce qui me permet d'éviter de me sentir trop mal. Vous arrivez donc au conseil. Le conseil, c'est une sorte... Enfin, la salle du conseil, et en tout cas le QG du conseil de la résistance, c'est une sorte de gros complexe militaire et scientifique, vraiment surélevé par rapport au reste de la ville. Donc faut imaginer que vous rentrez par une sorte de colonne en métal creux, que vous montez, vous rentrez dans un ascenseur. L'ascenseur vous amène dans une sorte de super complexe. C'est des complexes qui sont bien, comment dire. Vous imaginez vraiment quelque chose de très militaire, très froid, avec des couloirs qui sont éclairés de manière complètement uniforme, de manière pâle, avec des numéros inscrits sur les murs pour indiquer le numéro du couloir, par exemple, ce genre de choses. Et vous arrivez devant la salle du conseil. Le conseil va se réunir dans un premier temps sans vous. Donc vous voyez Gladius, vous voyez Maria, vous voyez Michel Cetrin également, rentrer dans la salle du conseil sans vous. Vous êtes devant cette salle, il y a une sorte de tous les quatre, donc tous les sept en fait, parce que vous voyez Akina, Lina qui sont là, Lucius est là également. En gros, tous les bugs ont été convoqués. Vous êtes dans une sorte de salle d'attente qui est dans l'antichambre de la salle de réunion, si vous voulez. Et vous êtes laissé là jusqu'à ce qu'on vous dise de rentrer. Donc là, du coup, vous êtes tous ensemble. Vous voyez Akina qui tire un petit peu une tête déterré également. Il est nerveux. Vous savez, il agite ses genoux de manière... son genou, de manière assez frénétique, à une fréquence assez élevée. Lorsque vous arrivez, il avait à peine la tête, il lance un regard vers Kara. Je lui rends un regard, mais fuyant. Que j'essaye de pas faire durer trop longtemps et que j'essaye d'être le plus neutre possible parce que le voir, ça met face à des émotions contradictoires parce que on a vécu quelque chose de génial la nuit d'avant, mais en même temps,
Si j'avais pas été tellement dans mon truc, j'aurais pensé à chercher Amandine et ça me culpabilise. Lucius, quant à lui, il est assis sur un fauteuil et il attend. Clairement, ça le fait chier d'être là, vous le voyez sur son visage. Et il a hâte de, il avait prévu de faire autre chose pendant son dimanche et du coup, il a hâte de partir, ça se voit. Et Lina ? Lina, elle arrive un petit peu plus après vous. Elle a été escortée par des militaires en fait qui sont venus la chercher. Elle a une tête, elle est plutôt blême en fait, et elle regarde tout le monde en rentrant comme si elle était soulagée d'être arrivée. Moi, quand je vois qu'on arrive et qu'il y a les autres, en fait, je sais que Zero est proche des jumeaux, donc en fait, ça m'arrange de pouvoir m'en éloigner pour sortir, enfin m'éloigner un peu de toutes ces émotions, et je me dirige vers Lucius et je me mets à côté de lui en fait. Moi, je vais essayer de trouver un endroit pour m'asseoir, mais vraiment le regard vide, certaines larmes du coup. Les larmes ont séché, mais vraiment un regard de tristesse. Et il va juste regarder, il va fixer un point sur le mur qu'il aura en face de lui et agiter sa main comme s'il tapait quelque chose sur un clavier d'ordinateur, mais que sur sa jambe droite, on voit la main qui bouge tout seul comme s'il écrivait quelque chose ou il essaie de retracer. Ses sourcils font des mouvements. Voilà, mais le regard vraiment vite. Ben Max, clairement, il a la nature souriante. Et là, il tire la gueule, quoi. Et il regarde personne, il garde la tête basse. Vous pouvez voir que moi, je regarde tout le monde. J'essaye de croiser les regards, de voir un peu comment les gens se sentent. Et clairement, l'attitude de Lucius a l'air d'être sur le point de me faire péter une durite en mode bien violent. Et typiquement pour Alexis, qui avait l'impression que Kara avait toujours une espèce de visage de porcelaine, de poupée parfaite, là le visage est en train de craqueler complètement. C'est t'as l'impression de percevoir ce que t'avais jamais vu en fait, une espèce de fureur qui pouvait peut-être paraître disproportionnée si t'as jamais senti ça avant. Ouais, d'accord. Et du coup, quand je vois que tout le monde a l'air fuyant, de pas vouloir parler et de pas vouloir en fait trop faire face au truc, de rester dans sa chose, je vais me placer devant le groupe et je vais attirer votre attention et commencer à déclamer un petit discours. Lina, du coup, va s'asseoir au moment où elle voit que tu veux prendre la parole. Et elle te regarde et toute son attention est braquée sur toi. Donc, j'inspire et je pousse une expiration lourde. Et je regarde chacun d'entre vous dans les yeux au fur et à mesure que je donne que mes mots sortent un à un. Amandine est morte. C'est un fait. C'est irrémédiable. Et nous ne nous voilons pas la face. Nous en portons tous la responsabilité. Et doublement. D'abord parce que nous l'avions libérée. Elle n'était pas déterminée. Sa mort n'était pas écrite. Et la vie que notre présence lui a offerte l'a rendue si misérable qu'elle a préféré y mettre un terme. On est aussi responsable parce qu'on aurait pu l'en empêcher. Nous l'appelions notre sœur ou notre amie pour les plus distants d'entre nous. Pour certains, c'était même une meilleure amie. Mais alors qu'elle était au plus mal et que nous le savions, parce que tous les signes étaient là, nous n'avons rien fait. Certains ne se sont même pas déplacés pour la voir à sa séance de poésie.
Et là, je jette un regard à Lucius. Clairement, c'est lui qui est visé. C'est notre amie. Elle devait être là pour organiser la soirée et elle ne se montre pas. Et personne ne réagit. Personne ne se demande pourquoi elle, qui est si consciencieuse, ne tient pas son engagement. Personne ne fait le lien avec sa détresse des jours précédents. Mais imaginez-la hier soir, seule chez elle, triste. Peut-être qu'elle se disait, est-ce que quelqu'un se rendra compte que je suis pas là? Est-ce que Zéro, mon meilleur ami, viendra me chercher? Et personne ne vient. Elle voit l'heure qui avance et personne ne vient. Alors elle quitte ce monde en se disant qu'elle ne nous manquera pas. Qu'elle ne manquera à personne. Soyons clairs, nous avons merdé. On a merdé en tant qu'amis et on a merdé en tant que bug. Quand nous merdons, des gens meurent. Il faut plus qu'on l'oublie. Maintenant c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Mais on peut se prendre en main maintenant, on peut devenir responsable et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Au cours de toutes ces années qu'on a passées ensemble, je suis passée par beaucoup de sentiments. J'ai été fière, j'ai été heureuse, j'ai été frustrée et j'ai été en colère. Mais encore jamais je n'avais eu honte. Et aujourd'hui je vous le dis, j'ai honte d'être un bug, j'ai honte de ce que nous sommes. Nous laissons tomber nos amis. Et derrière, vous avez vu cet article dans le journal? Lucius, t'as frappé quelqu'un? On est censé protéger ces gens, on est censé être là pour eux. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur prend leur nourriture, ils se nourrissent de champignons, vous savez la vie qu'Amandine avait? Vous vous rendez compte un peu de comment elle vivait? Ils se sacrifient pour nous tous les jours, pour qu'on ait le meilleur en termes de nourriture, en termes d'éducation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les invite à des soirées, on leur bourre la gueule et on les cogne. Eh ben, félicitations. J'ai honte d'être un bug aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on va tous se reprendre, qu'on laissera plus ça avoir lieu. Que je pourrais être fière de regarder chacun d'entre eux et de me dire ça, c'est mes compagnons. On est les bugs et on aide les gens. Ce qui est fait est fait. Maintenant, faut faire en sorte de s'améliorer. Et honnêtement, je pense qu'on peut pas tomber plus bas. Si l'un d'entre vous, et je jette un regard à Max et à Lucius en particulier, si l'un d'entre vous ne se sent pas d'être un bug, ne se sent pas de prendre ses responsabilités, ne se sent pas de rendre aux gens ce qu'ils nous donnent, ben partez. Honnêtement, partez. Quittez notre académie. Quittez notre école. Allez rejoindre la foule, mangez des champignons et laissez les gens qui sont prêts à faire des sacrifices et à faire attention aux autres être des bugs. Mais venez pas profiter de tout ce qu'on a pour frapper des gens et en laisser d'autres mourir. Et là, je me détends un peu, vous pouvez sentir que c'est la fin de mon pitch. Bah moi je fais un pas en avant et je te regarde et je te dis, oui Kara... T'as honte, si tu veux t'auto-flageller de culpabilité, écoute, c'est ton droit, mais tu me pointes pas du doigt. Parce que Amandine, c'était ni ma sœur, ni mon amie. Mais c'est bien pour ça que moi, j'ai rien à voir avec sa mort. Parce que moi, sa vie, je m'en suis mêlé le moins possible. Or, nos vies ne sont... Puisque vous vous êtes mêlé à elle, vous avez rajouté un facteur inconnu à son destin. Et faites le calcul, peut-être que ce facteur inconnu... l'amener là où elle est, maintenant. Et je refais un pas en arrière. Et je chuchote un truc à Lucius. Qu'est-ce que tu lui chuchotes? Bah je lui dis... que je pensais que... Que ce serait Amandine qui récitera un poème lors de l'oraison funèbre de l'un d'entre nous, mais finalement c'est l'inverse. Et qu'est-ce que tu nous fais chier avec ça? De toute façon, ces pecnous ils sont là parce qu'on existe. Justement, parce qu'on n'a pas été déterminés. Ils devraient plutôt nous dire merci. J'entends ça, Lucius?
Bah, si t'es dans la pièce et que ouais, tu t'es pas percé les tympans, normalement, oui. Non. Bah, si, en fait, quand j'entends le mot pecno, je crois que je vais juste me lever et je vais mettre une patate à Lucius. Et tu parles que, je vais mettre une patate à Lucius, en fait. Parce que pecno, avec le discours en plus de Kara et la façon dont Zero s'en responsable et la culpabilité qu'il a après les mots de Kara, il acceptera pas que quelqu'un traite de pecno Amandine et puisque ça représente, quoi. Quand tu décroches une droite dans le visage de Lucius, il reçoit le coup sans broncher. Il est resté assis, t'es debout, du coup il te regarde, en fait il te toise. Et quand ses yeux remontent en fait pour recroiser les tiens, il rigole. C'est mignon. Et je vois que ça change rien de toute façon, donc je vais juste me rassurer. Et je lui dis juste, c'est pas une techno. Non mais sans aller jusqu'à traiter les gens de techno, s'il y a bien une leçon qu'on peut tirer, c'est qu'on n'est pas censé, les bugs sont pas censés se mélanger aux autres. Vous voyez bien ce que ça donne. On est mélangé à eux, qu'on le veuille ou non. On est dans la même base. Et eux se sacrifient tous les jours pour qu'on ait à manger. En ce sens, on est responsable d'eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Que tu te lies à eux ou que tu te lies pas à eux, nos responsabilités restent les mêmes, Alexis. Écoute, l'argument de la responsabilité, je le suis totalement. Mais vous pouvez pas rester aveugle au fait que si on peut être ensemble et dans des catégories différentes. Si vous aviez eu le moins d'impact avec la vie d'Amandine, ça aurait pu, enfin, son destin aurait pu prendre une autre forme. On est un facteur X. Tu peux voir que quand tu dis ça, il y a un éclair de tristesse qui passe dans les yeux de Kara. Alors, tu sais pas ce que t'as dit qui fait que ça a activé ça, mais en fait, moi, quand tu dis ça, ce que je ressens, c'est que je me dis, en fait, si j'avais pas été son amie, elle aurait pu s'en faire d'autres et elle aurait peut-être été plus heureuse. Et du coup, ça me fait une raison de plus de m'auto-flageller, en fait. Exactement ce que je disais. Ça passe furtivement, mais je remets le masque après. D'accord. Mais pour le coup, c'est ce que j'essaie d'exprimer en plus. Il y a Max qui va prendre la parole. On s'en fout de tout ça, bug ou pas bug. La vérité, c'est que on avait tous senti qu'Amandine allait mal et chez les poètes là, c'est, je me suis senti mal. J'aurais dû deviner ce qui allait se passer. Toi, tu en as je le savais. La vérité, c'est qu'on a merdé. On aurait dû être là pour elle. C'est tout. Et on l'a pas été. C'est moi qui aurais dû être là pour elle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai absolument rien fait. Mais je suis censé être son meilleur ami. Je suis ridicule. Il y a Max qui met une tête dans l'épaule de Zéro pour essayer de le consoler. Mais il garde le regard bas quand même. Il est moins chaleureux que... Enfin, il n'est pas du tout chaleureux comme d'habitude. On a tous merdé. Et quand je dis ça, je vise particulièrement du regard Alexis et Lucius pour leur montrer que c'est pas leurs arguments qui me font changer d'avis sur ce point. Mais ta face a un petit sourire en coin, franchement. On a tous merdé. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que on a des possibilités de se rattraper. On a possibilité de faire mieux. Et je sais pas si on va encore nous assigner des missions après ce comportement, ces comportements. Après avoir laissé Amandine comme ça et après avoir frappé quelqu'un. Je sais pas si les gens vont encore pouvoir compter sur nous, mais en tout cas, on se doit d'essayer. Et je sais pas si vous avez vu dans l'article, ça disait qu'il y avait une série de suicides. Alors, j'ai pas lu les détails, j'avais pas trop la tête à ça, mais une série de suicides. C'est-à-dire, enfin, moi je sais pas vous, mais pour moi une série ça fait plus que deux. Et deux choses c'est des coïncidences, trois choses ça devient un pattern. Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Alors,
Peut-être que j'essaye de me dire que c'est pas vraiment de notre faute, qu'il y a quelque chose là-dessous, une cause extérieure, et que c'était pas vraiment nous. Mais s'il y a quelque chose, en tout cas, on a le devoir moral, et pour Amandine, pour sa mémoire, de chercher ce que c'est. Et de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais à personne. Quand tu dis ça, c'est à Lucius qui tire à moitié la langue et il lève les yeux un peu au ciel et il se penche vers Alexis. Attends, tu vas voir quand Fleur Bleue, elle va aller au combat. Et tu crois que je peux le tuer? C'est peut-être un bug, mais il a peut-être une sensibilité propre. Et gnagnagna, tu vas voir, on va tous se faire tuer comme des mouches. Mais je jette un regard qui est... Enfin, il veut dire un petit peu... Enfin, vas-y, mets pas de mule sur le feu. Il faudra aller voir ses poètes un peu. C'est important. Je pense qu'il va aussi falloir faire quelque chose par rapport à tes actions, Luxus. Il y a des émeutes en ville. Tout le monde en veut après moi aujourd'hui. Ça y est, je suis célèbre. Écoutez, c'est le but de ta vie, félicitations. Non mais j'étais présent, elle l'a attaqué par derrière. C'est un réflexe. Voilà. Il s'est retourné, il y a mis une droite. Voilà. Voilà, elle m'a attaqué par derrière. Et il dit ça avec un sourire. Tu sais, c'est genre... Ouais, c'était peut-être ça, c'était peut-être pas ça. Satisfait quoi, le sourire genre... Ouais. Moi quand elle m'est tombée dessus, je l'ai pas frappé. Je suis sûr que le peuple en délire à l'extérieur sera très heureux d'entendre ta défense, Lucius. Le peuple, il attend après nous, alors si on m'accuse, si j'ai fait quelque chose de mal, ils iront voir Mifo sans personne. Ils attendent peut-être après toi, moi pas. Et enfin... Là, franchement, vu que d'habitude je suis quelqu'un qui se maîtrise complètement, vous comprenez pas trop pourquoi. Enfin, c'est très surprenant de me voir réagir comme ça, mais je me dirige à pas vite vers lui et je m'empêche par le col non, et je vais le soulever en l'air. Avant que tu t'interposes, moi, si tu vas vers lui en fonçant, je mets un pas devant. Donc, je me mets entre toi et lui. Bah, je vais essayer de te pousser sur le côté, sauf si tu résistes vraiment très fort, quoi. Bah, oui, si tu me pousses, je te pousse. Lucius... Et je tends les bras, je t'écarte les bras, bon, va que tu la tête. Lucius se lève, du coup, au moment où Alexis s'est interposé devant Kara, qui essayait visiblement de venir à sa rencontre. Et, il bombe le torse, en fait, et il assume totalement ce qu'il vient de dire, et il te toise, et comme s'il provoquait, tu sais, genre, vas-y, viens, je t'attends. Et moi, je te dis, Kara, enfin, t'es passé pas dans les cours que tu m'as passé, où on parle de l'importance des procès, ce genre de choses? Je pense qu'il y a des gens qui sont réunis ici pour statuer sur ce qui va lui arriver. Donc évite de te faire le bras de la justice avant que la justice n'ait été décidée. À moins que tu me ressembles plus que ce que je le pensais. Mais je te regarde dans les yeux au fur et à mesure que tu dis ça. Et alors au début c'était juste le regard genre on va se battre pour que je puisse passer ou et quand tu parles de ça tu peux sentir que ça me fait écho mais je suis toujours énervée donc juste tu vois je respire un peu plus fortement pour essayer de me calmer mais je réponds rien pour le moment. La porte va s'ouvrir et vous voyez Gladius. En fait, imaginez une porte, une sorte de sas qui s'ouvre. Et lorsque le sas s'ouvre, il y a Gladius derrière, les bras derrière le dos, avec un air sévère. Et donc vous êtes debout. En fait, les portes coulissantes se sont ouvertes au moment où vous étiez plus ou moins dans l'action, vous voyez. Et donc Gladius, il vous voit comme ça, il a le regard sévère et il vous dit « Rentrez ». À ce moment-là, du coup, Lina viendra derrière Kara pour lui mettre doucement une main sur l'omoplate, en fait, et lui dire à la fois, en fait, qu'elle est avec elle et que, il faut rester soudé, il faut se calmer, en fait. C'est la main pour
l'apaiser un petit peu. Viens. Moi, quand j'entends la voix de Gladius, j'essaie d'être la première personne qui obéit et qui y va. Et je sais pas si c'est la première fois que j'entre dans cet endroit, ça c'est ce qui prend le pas sur tout ce qui vient de se passer, c'est la grande fierté quand même d'être invité à entrer. Ouais, vous n'êtes pas vraiment rentré souvent dans cette salle. D'accord. Max traînera des pieds et rentrera sûrement en dernier. Et restera un peu. Il traînera des pieds, quoi. Il restera un peu en retrait par rapport aux autres. Ouais, ce sera à peu près le même cas que Nathan, mais il sera peut-être sûrement avant toi en ayant vu Alexis partir devant et pour répondre à l'incitation de Gladius. Bah, moi, du coup, quand Lina me met la main sur l'omoplate, je la regarde et je lui renvoie un regard reconnaissant. Et je prends sa main dans la mienne et je la presse un peu pour lui dire merci avant de la lâcher et qu'on se dirige vers la salle. Lorsque vous arrivez donc dans cette salle, donc c'est une grande salle, il faut imaginer une sorte de table hexagonale autour de laquelle il y a des sièges, des pupitres. Dans le fond, il y a une sorte d'une carte, en fait, tout simplement du pôle sud. Il y a des grandes chaises il y a des chaises avec des grands dossiers qui montent, en fait, qui sont assez assez grands. Vous voyez donc Maria qui est posée, assise, Michel également. Les deux ont une tête plutôt neutre, voire font la tête. Et sur le côté, vous avez une sorte d'écran plat, d'écran géant, avec plusieurs, divisé en plusieurs cadrans, en fait, plusieurs écrans, desquels vous voyez l'émeute, en fait, qui se passe dans les rues. Vous voyez que les habitants commencent du pôle sud commencent à se révolter. Il y a même des slogans qui sont scandés, ils commencent à tout casser, en fait, comme si ils se révoltent tout simplement de ce qui s'est passé. Et Gladius vous invite à vous asseoir d'un simple geste de la main. Et il va commencer à vous dire il n'est peut-être pas utile que je rajoute une couche par-dessus ce qui vient d'être dit. Kara, il regarde Kara du coin de l'œil. Je deviens rouge tomate parce que je pensais pas qu'on allait m'entendre. Rappelez-vous que vous êtes des bugs, que sur vos épaules sont posés l'espoir de tout un peuple. Et que vous êtes privilégiés. La question est, est-ce que vous le méritez? Est-ce que vous méritez cela? Pourquoi est-ce que vous le méritez? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Aujourd'hui, il se passe quelque chose d'unique, d'exceptionnel et de particulièrement grave. Il pointe l'écran plat et il dit « Le peuple du pôle sud est en train de se révolter car ils ne se sentent pas représentés par vous. Par vous les bugs. Des émeutes sont en train d'éclater et avec Maria Gridway et Michel Cetra, nous avons beaucoup réfléchi et discuté quant à cette situation. En temps normal, nous prenons des décisions en notre sein. Mais puisque vous êtes là et que tout ceci résulte des conséquences de vos actes, eh bien, je tenais à ce que vous assistiez à cette partie du conseil, car vous avez encore beaucoup à apprendre. Il se retourne vers Maria et Michel en disant bien, d'après nos informations, l'émeute est en train de partir hors de contrôle. Je propose d'envoyer
nos troupes, nos militaires, pour maintenir et maîtriser la situation. Je vote pour. Il commence à lever la main. On a le droit de voter, nous, en fait ? Non, non, vous, en gros, vous êtes sur le côté, et l'idée, c'est que vous apprenez de vos erreurs, quoi. Vous savez très bien qu'il est dangereux quand l'armée et la police ne font qu'un. Nous allons passer pour une dictature. Vous allez passer pour une dictature. Je refuse de voter pour quelque chose comme ça. Cela va finir en bain de sang. Oui, et ce n'est pas déjà le bain de sang, Maria ? Michel se... Gladius se retourne vers Michel et Michel lève les deux bras en l'air en disant « Je vote blanc. » Du coup, vous voyez que la tension, en fait, est vraiment centrée entre Gladius et Maria. Cetra, lui, c'est... tant que ça concerne pas, il s'en occupe pas, quoi. Et du coup, Maria va essayer de le convaincre de pas faire cela. Plus on passe de temps à discuter, Maria, plus le pôle sud est détérioré par ces émeutiers. Qu'il faut... Alors raisonnez-les. Comment ? Alors parlez-leur. Qu'est-ce que nous valons si nous faisons comme Kadria, nous envoyons l'armée parce que cela ne nous plaît pas et après nous disons que nous sommes un peuple libre ? Libre de quoi ? Maria, si je comprends bien, vous votez contre. Contre ce qui va dans le bon sens de l'ordre et de la sécurité de tous. C'est votre choix. Michel a voté blanc et là il se oui, retourne vers... Bien sûr, je suis pour le désordre maintenant. Gladius se retourne celui-ci vers... Celui-ci serait là, elle vous dirait la même chose que... Pour une fois, elle vous dirait la même chose que moi. Soren n'est pas là. Nous sommes que trois. Michel vient de voter blanc. Il se retourne vers vous, du coup les bugs. Et il commence à dire « Mettez-vous d'accord et donnez-moi une réponse. » Une voix. À vous sept. Général, permission de proposer une alternative. Pardon ? Je demande la permission de proposer une alternative. Je vous écoute. Ce sont les conséquences de nos actions. Nous devrions les assumer en personne. Je pense que nous devrions peut-être tous aller parler à la foule et faire enfin une déclaration montrant que nous nous engageons pour eux et que nous nous repentons de nos actions passées. Et prendre le risque de vous faire blesser, voire pire. Au moment où tu dis ça, tu vois que Maria te regarde, elle a un sourire comme si elle croit en quelque sorte ta bonté, tu sais, comme si il y a l'âge de l'innocence, tu vois que c'est vraiment un regard maternel et puis son regard se pose sur Lucius, sur Max, et elle soupire. Très bien. Allez-y. Je n'ai entendu qu'une seule voix des bugs. Vous êtes sept. Apprenez, mettez en application ce que vous avez appris à l'académie, travaillez en équipe et donnez-moi une solution sur laquelle vous êtes tous d'accord. Je n'ai pas désigné de commandant parmi vous et c'est un choix que je fais en toute conscience. Du coup, il continue à se tourner vers Alexis, Lucius, Max et le reste des bugs. Un petit peu pour vous montrer que, ok, Kara a parlé, c'est peut-être elle qui parle la plus fort, la plus vite, etc. Mais qu'il attend que vous réagissiez également. Quoi. Bah moi, jette un regard aux autres en mode... alors ? Je suis volontaire, s'il faut s'excuser, voire prendre des coups, je m'en fous. Mais
Je ne pense pas que le principal intéressé se considère en tort, donc je ne vois pas pourquoi il présenterait des excuses. J'étais présent lors de la scène et l'individu l'a attaqué par derrière. C'était la légitime défense. Pourquoi s'excuser ? Lina, elle se retourne vers toi, te dévisage. De la légitime défense, sérieusement ? Elle était ivre, elle était totalement ivre. Elle était juste en train de draguer. Oui, c'est tout, juste fait. Une ado qui était ivre. Pourquoi ? Parce qu'on l'a saoulée. Qui est-ce qui lui a donné de l'alcool ? Mais c'est tout à fait, c'était une personne ivre, donc peut-être moins plus inoffensive, mais ça marche quand on la voit arriver, qu'on peut prendre en compte ce qu'elle est. Or, le principe d'être attaqué par derrière, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attaque, donc on réagit instinctivement, sans prendre en compte la personne qui nous attaque, ni son danger, le réel danger qu'il représente. Non, mais on est quand même dans la base, c'est des gens avec qui on vit. Quel type d'attaque tu pouvais croire, Lucius, que t'étais en train de subir ? Mais justement, aussi bien elle lui a sauté dessus sous le coup de l'ivresse, aussi bien lui a réagi de façon excessive sous le coup de l'ivresse aussi. C'est pas une raison pour frapper quelqu'un qu'on est censé protéger. Mais c'est sans cet intérêt. Bah, surtout qu'on n'était pas censé boire ce soir, on n'avait pas encore le droit. On a une responsabilité à tenir. Et si on rétablit l'ordre par la force, on va contre cette idée de responsabilité des gens qu'on doit protéger. Et les gens seront en colère contre nous, encore plus. Et déjà assez de sang, et déjà assez de personnes sont mortes. Donc il faut mieux pas utiliser l'ordre. Mais si on suit votre raisonnement, elle a eu un comportement excessif parce qu'elle était sous le coup de l'ivresse, ce qui était son cas aussi à lui. Donc on peut dire en quelque sorte qu'il n'était ni responsable ni l'un ni l'autre. Mais effectivement, puisqu'on n'était pas censé boire, dans ce cas la responsabilité revient aux personnes qui ont introduit l'alcool ce soir-là. Et c'est peut-être ça, enfin c'est là qu'il faut qu'on se questionne. Oui, c'est moi, j'ai l'habitude de prendre des écarts. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut rester dans cette base avec des gens pour qui on a été imposé, ou est-ce qu'on veut se positionner en tant que personne légitime à les protéger ? C'est ça la vraie question. C'est notre responsabilité de les protéger, et on ne doit pas se mettre en... On était bourré, on doit avoir conscience de nos actes. Et vous réalisez que vous avez un double discours, parce que vous m'avez reproché de faire une distinction entre les bugs et les autres, mais vous êtes en train de reprocher des actions à des bugs que vous ne reprochez pas à des personnes normales, entre guillemets. Personne ne reproche à cette fille d'avoir bu, on est en train de reprocher aux autres d'avoir agi de façon inconsidérée. Donc c'est bien la preuve que nous ne sommes pas sur le même plan. Alors arrêtez de le nier. On parle de violence physique, Alexis, c'est pas la même chose. Tu fais du mal à quelqu'un quand t'es violent physiquement, mais alors quand que si tu bois quelqu'un dans ton coin, c'est pas pareil. Quand on saute sur quelqu'un, on atteint son intégrité physique. Alex, c'est pas parce qu'on est différent qu'on est supérieur. Et on doit les protéger. Et on va faire quoi ? Faire couler encore plus de sang, frapper des gens parce qu'on est supérieur. Si on est, on a une responsabilité, mais ça veut pas dire qu'on est supérieur à eux. On doit se considérer comme des égaux, mais on doit quand même les protéger. Parce qu'on serait des bugs, on aurait droit à tout, et ça excuserait nos comportements. Oui, mais vous n'avez pas l'impression que le manque de respect a été des deux côtés, parce que la façon de jouer les groupies et de sauter sur tous les bugs en les objectifiant, en faisant comme si c'était des trophées pour montrer à ses copines, vous pensez pas que c'était... Se prendre pour un dieu et aller chasser les petites brebis mignonnes parmi les non-bugs, c'est pas mieux ? Non, ça en passe, évidemment. Tu vois, Lina, elle a la mâchoire très 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 serrée. Vous sentez que c'est un sujet très pénible pour elle. Moi, je me retourne vers Max.
Du coup, parce que clairement, pour moi, ça parle de lui. Donc je vois s'il a une réponse à apporter. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je me sens mal, je m'en fous de ces histoires de bug ou pas. Quand je vois une fille, je m'en fous qu'elle soit bug ou pas. La vérité, c'est que je me sens mal pour Amandine et... J'en ai marre d'être ici. Je préfère affronter une foule que rester ici, là. Discuter de ces conneries. Mais du coup, Alexis, c'est quoi que tu proposes, en fait? Ce que je dis, c'est que je serais prête à parler à la foule pour donner ma vision des choses, mais je pense pas que le principal intéressé va apporter une réponse qui va les calmer. Je me tourne vers Lucius. Je pense que ça ne risque que d'attiser intéressé. Les choses. Voilà, à peu près, vous voyez une conférence de presse qui, enfin, ou de... Enfin, voilà, pour... Ça, vous me prenez la tête, c'est dimanche matin. Mais vous comprenez pas, on nous l'a répété souvent, on a une responsabilité qui nous est inhérente. Et on se doit de protéger ces gens. Et même si on leur apporte, on n'a pas à faire de beaux discours en disant « Ah, on est désolé, on doit prendre la responsabilité de nos actes et de tout ce qu'on a fait. » Comme Cara l'a dit avant, la mort d'Amandine, c'est notre faute. C'est le fait qu'on l'ait frappé, c'est notre faute. Et ils ont, même s'ils ont des circonstances atténuantes, l'alcool et je ne sais pas quoi d'autre, c'est notre fait, c'est notre responsabilité, parce qu'on est des bugs. Et du fait qu'on est des bugs, on peut pas, on se doit de protéger la foule. Bug. Voilà 10 minutes maintenant que vous êtes en train de parler. Au fur et à mesure des minutes, des gens meurent. Du matériel est détérioré. Ne vous a-t-on pas appris à l'académie de réagir en tant qu'unité, en tant qu'une entité? Et qu'ai-je devant moi? Des individualités fortes qui s'opposent? Où sont mes bugs? Où sont mes soldats? Il suffit de l'abus, ce sont des enfants, ce sont des adolescents. Tu ne peux pas leur faire porter ça sur les épaules. Très bien, fais-le. Et à ce moment-là, elle se lève de sa chaise et elle sort du conseil. Gladius se retourne, il vous regarde comme si ceci était une sorte de leçon de cours, de travaux pratiques, si vous voulez. Comme si c'était... Il avait dispensé son enseignement. Il se retourne. Et il prend une sorte de... Enfin, il se met à son pupitre, il y a une sorte de micro, il appuie. Et il commence à dire... Unité. Vous pouvez donner l'assaut. Et là, vous voyez sur les écrans que... Il y a des coups de feu qui sont tirés, qu'il y a les militaires qui commencent à essayer de contenir les émeutiers. Ils sont habillés vraiment en mode anti-émeute, quoi, avec des sortes de boucliers, des matraques et des armes de poing. Et ils commencent à balancer à faire des tirs de sommation, à balancer, à avancer simplement pour essayer de contenir les émeutiers. Et ensuite Gladius vous regarde et vous dit. Vous pouvez disposer, vous ne pouvez pas quitter l'internat. Je reviendrai vers vous pour votre première mission. Lina fixe les écrans et vous savez qu'elle habite. Elle habite en fait avec les noms Bug et notamment elle habite avec Vanessa et elle n'a de cesse que de regarder l'écran et vous voyez que sa mâchoire commence à trembler, elle devient livide. Je vais me lever et la prendre un peu dans mes bras pour la relever et lui dire « Viens, ne fais pas du mal comme ça. » Elle te suivra sans résistance aucune.
Et je regarde la réaction d'Akina aussi, par rapport à quand on discutait, comment il réagissait, et là, maintenant aussi. Alors du coup, Akina, pendant toute la discussion, il est resté muet. Il regardait les écrans comme si... d'un air triste. Il se sent évidemment responsable, tout comme vous, mais tout particulièrement, puisque il prenait une partie de son repas, par exemple, pour donner aux défavorisés, et là, quand il voit ça, il est atterré. Quoi. Une fois que la décision a été prise, il se retourne, il s'en va, sans même vous regarder. Quoi. Une fois que Gladius a dit « Vous pouvez disposer », il s'en va. Et... Limite, c'est le premier qui part, quoi. D'accord. J'emboîte le pas derrière Akina. Je veux partir de la salle, quoi. Enfin, je vais se barrer. Du coup, vous allez où? Vous allez à l'internat? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez en particulier? Ce qui peut être intéressant, peut-être, c'est on va faire un petit tour de table pour voir. Ben, ce que vous ressentez, à quoi vous pensez à cet instant précis, tandis que vous allez vers l'internat. Alexis. Mais en fait, quand tout le monde part, finalement, il reste que Lucius et moi dans la pièce. Et du coup, là, je l'interpelle parce que face aux autres, j'essaie d'argumenter en sa faveur parce qu'il y avait certaines choses qui désengage sa responsabilité. Mais maintenant qu'on est juste nous deux, enfin je lui dis, c'était pas à moi de dire, de t'obliger à témoigner, mais enfin ça aurait, enfin, t'aurais pu, enfin, crois pas que t'aurais pu faire cet effort-là, même si toi-même tu penses être en ton bon droit. Excuse-moi, tu parles à qui? À Lucius. Tu dis que même s'il considérait être dans son bon droit. Et quelque part, moi, je le suis aussi parce que je comprends ça. Enfin, que bon, voilà, il s'est retourné. Enfin, on l'a attaqué par derrière. On l'a pris par derrière. Il a eu un réflexe. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vu la scène, même si c'était peut-être, lui, il a mis un doute que c'est peut-être pas ça, d'ailleurs. Mais malgré tout, est-ce que t'aurais pas pu prendre sur toi et voilà, et dire à la foule ce qu'elle avait envie d'entendre? D'où je vais être complaisant? Attends, déjà. Ils sont en vie parce qu'on est là. Ça va, enfin... t'as vu la vie qu'on se tape, quoi. Je veux dire, faut qu'on s'entraîne, faut se taper des cours chiants. Je veux dire, avec Solipsis, avec Gridway, ça va, quoi. Enfin... on va leur sauver le cul, et en plus, il faut bien leur parler, il faut être gentil. Ça va, 5 minutes. Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai pas du tout apprécié son comportement lors de la soirée, ni ce qu'elle a pu dire par la suite. En parlant de voilà des bugs, mais il faut que tu saches quand même que cette valeur ajoutée qu'on a, certes on fait partie de l'élite, mais c'est parce qu'on nous a entraînés et qu'on a épargné des ressources pour nous les donner, qu'on a investi sur nous. Mais si on a investi sur nous, c'est justement pour qu'il y ait un retour sur la globalité de la population. Or là, effectivement, enfin vu de l'extérieur, puisque ce qui s'est passé, tu sais, tu te prends la tête. Hein. Une fois qu'on aura la tête de Miphos dans les mains, ça ira bien mieux. Mais si on a investi en nous, c'est justement pour lutter contre... enfin, pour protéger et lutter contre un ennemi commun. C'est-à-dire que... On n'a plus aucun sens d'être si on se retourne contre... Je me suis pas retournée, elle s'est jetée sur moi, ça va. Mais je remets pas en question ce qui s'est passé ce soir-là. Je dis juste que peut-être qu'un écart avec la vérité pour faire amende honorable, même si tu penses être en ton bon droit, aurait pu épargner de nombreuses vies et nous racheter une image, ouais. Et une légitimité. Ouais. Si tu veux, je te dis la seule légitimité, c'est la tête de Miphos dans mes mains. Et le sourire que je vais afficher quand je le verrai, cette espèce d'enculé. Ok, bah je vois que je peux, enfin que ça sert à rien de lui parler. Alors du coup, bah je pars en fait, parce qu'il y a des images encore qui passent sur les écrans et oui, je pense forcément à Vanessa et au fait que elle est du mauvais côté de la barrière et que ça pourrait mal tourner. Et en même temps, je m'en veux, voilà, de m'être lié à quelqu'un. Enfin, j'aurais dû rester à ma place dès le départ et être plus ferme pour ça.
Comme ça, de la même manière que j'ai pas été atteinte par la mort d'Amandine, ça, bah, j'aurais pas à me soucier de ce genre de considération. Si j'avais pas lié des liens avec Vanessa, et je me félicite d'avoir rompu, et puis je repars vers la base pour m'entraîner, enfin, voilà. D'accord. Nathan, toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Enfin, où tu vas? T'as pas trop le choix, mais comment tu te sens? Et qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est vrai que là, bon, déjà, toujours triste suite à la mort d'Amandine, mais c'est vrai que j'ai le discours de Gladius qui m'a fait la semaine dernière en disant qu'on avait une responsabilité en tant que bug. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi, si on a une responsabilité, encore faire couler le sang. Je me dis que le peuple qu'on se doit de protéger a le droit d'être en colère avec ce qui s'est passé, parce qu'on n'avait pas à faire ça, et que rien ne m'excuse, et que je comprends le sens de la responsabilité que Gladius cherche à nous enseigner, mais je comprends pas pourquoi, je le comprends qu'il faut qu'il envoie les troupes pour arrêter tout ça, mais je comprends aussi la colère du peuple, entre guillemets. Mais vu que là, j'ai juste envie d'être seul, de pas avoir du tout les autres, alors je pense que je vais m'enfermer et avec mettre mon sweat à capuche, et vraiment rester dans mon coin à rien faire et à penser à tout ça, essayer de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire, mais réfléchir sur cette responsabilité que c'est difficile, je me rends compte de la difficulté, et je prends le pas sur des mots de Gladius, en fait. D'accord, donc tu réfléchis à ce que tu peux faire de mieux après, à ta conduite à venir, quoi. C'est ça, sur notre rôle de bug, en fait, par rapport aux gens qu'on se doit de protéger et la mission qu'on nous a donnée, en fait, qui est inhérente à notre statut. D'accord, ouais, donc en fait, il y a vraiment une résonance entre les deux discours, celui de Gladius et de Kara, et du coup, tu essayes vraiment de poser la question et de trouver une réponse. Oui, tout à fait, surtout que Gladius en plus dit qu'on doit les protéger du coup et pas les blesser, mais qu'en même temps, en envoyant les troupes, on va quand même faire couler du sang. D'accord. Donc est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre les deux, c'est plein de toutes les réflexions autour de ces discours, effectivement. Ok, très bien. Kara, du coup, qui a été repartie avec Lina. Ouais, donc je la soutiens pour qu'on marche vers l'extérieur, on va rentrer vers l'internat, et je vais pas dire grand chose, en fait, à part si elle me parle. Je vais juste lui frotter gentiment l'épaule pendant qu'on marche pour lui apporter du réconfort, et intérieurement je fulmine, parce que j'en ai vraiment marre, en fait, que une partie d'entre nous refuse de prendre ses responsabilités et continue de blâmer le reste du monde. Alors, les torts sont toujours partagés, mais là, quand même, il y a carrément une émeute. Enfin, faut deux minutes se dire qu'on va faire amende honorable et voilà, et qu'il y en ait encore une partie d'entre nous qu'on soit à se dire non, mais en même temps, qui veuille pas faire ce qu'il faut pour calmer les gens, surtout des gens qui se sacrifient pour nous. Ça me révolte. Et en fait, et pareil, aucune culpabilité pour Amandine. Et je me dis, mais en fait, avec qui est-ce que j'ai passé mon enfance? Parce que je pensais qu'on partageait des valeurs communes. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir plus rien en commun avec certains, quoi. Et c'est super violent. Et aussi, il y a une partie de moi qui, le fait d'avoir vu Akina partir sans un regard en arrière, en fait, ça m'a fait un pincement au cœur. Alors, je m'autorise pas à m'apitoyer sur moi-même en me disant « Merde, il m'a pas attendu, etc. » Mais quand même, ça m'a fait un peu de peine de cherche pas à y avoir un contact. Mais j'essaie de pas trop me concentrer dessus, parce que Lina est là et elle a besoin de moi pour l'instant, et on va rentrer ensemble. Tu te rends compte que c'est deux militaires qui sont venus me chercher chez moi? J'ai toujours vécu là-bas. Et j'ai pas pu faire chez moi jusqu'à ici en sûreté. Toute seule. Il y a des gens qui ont essayé de t'attaquer? Non, pas particulièrement, mais j'ai entendu... À mort les bugs, C'est ça.
Je hoche la tête doucement, avec tristesse, parce que je vois exactement ce qu'elle veut dire. Il y a vraiment des fois où... Je sais pas, j'aimerais juste qu'on puisse... tu vois, renvoyer chacun à ses responsabilités personnelles et arrêter, parce que... Personne ne mérite ça. Les gens, tout ce qu'ils font pour nous, s'il y en a un qui a assez ingrat pour pas s'en rendre compte, j'ai envie de dire tant pis pour lui. Qu'il arrête d'en profiter. Et ça me fait mal de le dire parce que j'ai toujours essayé de maintenir notre groupe complètement ensemble. Et j'avais toujours eu l'impression qu'on essayait tous de veiller les uns sur les autres, mais de voir des comportements égoïstes au point où ça met la vie d'énormément de gens en danger, parce que les gens se font frapper là-dehors, il y a des gens qui peuvent mourir dans ces répressions, et accessoirement pour l'image de tout le monde c'est une catastrophe, de voir que par égoïsme et par facilité il n'a pas envie d'aller s'excuser, je me dis mais en fait est-ce que je l'ai pas mal jugé depuis le début, ça me fait me poser énormément de questions. Lina voit que du coup tu réfléchis et que t'as le regard un peu triste, un peu noir, enfin elle se doute à quoi tu penses. Enfin, il a toujours été comme ça. Je suppose. Je voulais pas le voir. Je crois. Il a des idées un peu tordues. Tu crois, qui est-ce que ça pouvait être d'autre qui ait pu m'enfermer avec Nathan dans la permanence? Il s'attendait à quoi? On n'est pas deux lapins non plus. C'est des crétins. Très honnêtement, tu vois, je me suis dit qu'avec l'âge, Max se calmerait, tout ça. Je leur cherchais des excuses, qu'ils essayaient de rendre service à zéro, mais ils te niaient complètement toi et ce que tu veux, et ils se rendent compte de rien. Je sais pas, enfin, Max a l'air de se rendre compte un peu plus maintenant, mais Lucius, ça lui passe au-dessus. C'est une catastrophe. Hein. Tu sais, il est animé que par la vengeance, alors... C'est... Peut-être qu'une fois cela fait, ça l'apaisera. Du moins, j'espère pour lui. En tout cas, s'il continue ce genre de débordement, je pense que je vais mettre un terme à son existence avant qu'il ait pu atteindre Miphos. Je pense qu'on le fera chasser de l'ordre des bugs avant ça. De l'ordre des bugs? On se prend pour des dieux maintenant. Tu vois qu'elle essaye d'avoir un petit rire complice, tu sais, une petite boutade pour détendre un peu. Mais je lui rends un petit sourire en coin. Déesse Kara et déesse Lina, c'est sûr que ça envoie du lourd. Hein. Extrêmement bien. Bon, par contre, si on pouvait, je sais pas, faire pousser du blé... apparaître des vivres, ce serait quand même pas mal. Oui, évidemment. Enfin, je veux avoir des pouvoirs sympas, quoi. Enfin, tant qu'être déesse, autant servir à un truc, quoi. Parce que les champignons, bon... C'est sympa, hein, mais... Si ça se trouve, en fait, le seul qui a une influence quelconque, en fait, en tant que dieu de l'ordre des bugs, c'est Lucius. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des champignons dégueulasses à manger. Bon, du coup, les blagues à la con me décrispent un peu et me redonnent un peu de sourire. Du coup, ben, on va continuer comme ça jusqu'à se retrouver en fait dans les appartements un peu plus privés des bugs pour voilà, se poser tranquillement et vu qu'on n'a plus que ça à faire. Et Max avait emboîté le pas d'Akina. Que fait-il? Il la rejoint ou pas du tout?
Alors, on nous a demandé d'aller à l'internat. Tout à fait. Est-ce qu'on est escorté ou on peut se barrer ou courir quelque part? Vous n'êtes pas escorté plus que ça. Tu peux prendre la poudre d'escampette, pas de soucis. Si tu le souhaites. Ouais, j'irai bien courir. Et puis jusqu'à épuisement, et puis après faire un tour vers là où il y a les émeutes. Il y a eu les émeutes, ça devrait être calmé, mais pour voir un peu les retombées, quoi. D'accord. Du coup, quand tu cours, tu fais un grand circuit ou c'est plutôt quelque chose quand même proche de l'internat? Ouais, c'est proche de l'internat. Je sais pas s'il y en a un stade ou un truc comme ça, mais... Oui, vous avez un stade pour vous entraîner, bien sûr. Voilà, il y avait du gymnase, et... notamment, où vous avez saoulé les filles. Je plaisante. Enfin, voilà, quoi. Pas de problème. Alors, je cours dans la rue, mais un petit tour de quartier, je fais pas le... Enfin, je cours pour me vider la tête, en fait, sur tout ça, quoi. Très bien. Du coup, lorsque tu arrives au niveau des émeutes, tu es complètement épuisé. Tu vois effectivement que ça s'est effectivement un petit peu calmé, ça s'est un petit peu retombé. Tu vois que la foule s'est dispersée, mais que néanmoins il y a eu quelques surtout des dégâts matériels. Ça sent un petit peu le brûlé, tu sais. Il y a des militaires qui sont en train de nettoyer. Il y a eu tu sens comme de la poudre, tu sais, comme s'il y avait des coups de feu qui ont été tirés. D'ailleurs, il y a tu vois des impacts de balles dans les murs, etc. Tu vois essentiellement des militaires, ouais, qui sont en train de nettoyer après, quoi. Et là, globalement, la journée va être terminée. Les militaires sont en train de nettoyer. Globalement, je vais donner un coup de main aux militaires ou à des civils, s'il y a des civils aussi qui déblaient, quoi. Ouais. Mais je vais juste faire des choses, quoi. D'accord, ouais. Si tu aides à déblayer, on va te regarder. Peut-être un peu de travers au départ, mais puisque tu aides, tu es là, quoi. Au départ, c'est vrai que lorsque tu commences à aider, les gens vont commencer à te regarder et se mettre un peu plus loin que toi, quoi. Te regarder d'un air bizarre, quoi. Mais sinon, au bout d'un moment, tu vois qu'on fait plus attention parce qu'il y a quand même du boulot. Ok. Et donc ensuite, du coup, j'imagine que tu rentres à l'internat une fois la nuit tombée. C'est ça. Ok. Enfin, la nuit tombée, une fois la lumière éteinte, hein, tout simplement, il n'y a pas de... Oui. Pas couvre-feu, tout ça. Ouais. Couvre-feu, il n'y a pas vraiment de couvre-feu. L'idée, c'est que la nuit, on éteint pour garder un rythme biologique sain. Voilà, quoi. Alors, au moment où tu as nettoyé, tu as vu, tu es sûr d'avoir vu des traces de sang, si ce n'est des cadavres. Tu es à peu près certain. Après, cadavre de militaire ou de civil, t'as pas pu voir. Ok. Voilà. Et lorsque tu rentres, vous êtes à l'internat, on vous sert évidemment à manger à la cantine normalement, quoi. Ensuite, rien de particulier, quoi. Là, on viendra pas vous chercher de la nuit, si vous voulez. Donc, à vous de me dire ce que vous faites une fois que vous êtes à l'internat. Mais moi, de mon côté, si on se retrouve à la cantine, je vais pas dire à moi, en fait, à la cantine, je vais vraiment être à la table avec tout le monde, manger. Si personne parle, je parlerai pas, mais après, au lieu de m'isoler, je pense que c'est question de responsabilité, de me dire que je me dis que j'ai vraiment pas le niveau et que je suis pas conscient de pouvoir aider les autres. Et je pense que j'irai ensuite dans une salle en question pour pouvoir faire du sport ou faire des pompes, m'entraîner, et essayer de m'améliorer sur le plan physique, parce que je me dis que c'est mon défaut et que si j'ai la plus petite possibilité de pouvoir faire quelque chose, même si je pense que j'en suis pas capable, il faut que je m'améliore. Et parce que si j'avais été plus attentif, plus dans mes responsabilités, peut-être qu'Amandine serait encore là et que maintenant je dois prendre en compte ce que c'est d'être un bug
et la responsabilité qui est inhérente à notre statut. D'accord. Les autres? Vous pouvez ne rien faire, hein, mais simplement dites-moi si vous faites quelque chose avant d'aller vous coucher. C'est qui a l'air le plus affecté à table? Qui est le plus affecté à table? Après, le plus, je saurais pas dire parmi vous. Entre Lucius, Akina et Lina, c'est clairement Lina. Après, entre vous, je sais pas trop. Je pense que Max va déjà se sentir un peu mieux le soir. Enfin, il est pas joyeux comme la normale, mais il commencera un peu à adresser la parole aux gens, à essayer de consoler un peu Zéro. Enfin, voilà quoi. Si je pense que si c'est Zéro qui semble être le plus triste à table, ou Kara, je passerai du temps soit avec Kara, soit avec Zéro. Bah, en tout cas, si tu vas vers Zéro, tu vois qu'il a, il a sa capuche, il regarde un peu le vide, donc si tu commences à lui poser des questions, il te répondra vraiment, vraiment par des oui, non. Après, si c'est des trucs précis, il t'en parlera, mais il te dira peut-être doucement, faut plus que ça arrive, faut qu'on fasse attention maintenant. Ça peut plus se reproduire, autant pour Amandine et puis pour tous les gens qu'on doit protéger. On ne doit plus faire n'importe quoi et construire plein de trucs à droite à gauche. Mais on est adulte maintenant. Moi, il y a deux choses que j'aimerais faire. La première, c'est que je vais aller voir Akina avant le repas, je pense, en fait, frapper à la porte de sa chambre. D'accord. En fait, il va t'ouvrir très légèrement la porte de sa chambre, de sorte à ne laisser entrevoir que peut-être juste la moitié de ton visage ou quelque chose comme ça. Et lorsqu'il te voit, il a peut-être un petit sourire de presque de soulagement, quoi. Tu sens qu'il est content que ce soit toi, tu vois. Avec un peu de... De gêne, je lui dis salut. Salut. Je peux entrer? Ouais. Du coup, il ouvre la porte. Tu vois que dans sa chambre... Bon, il la referme derrière toi, mais tu vois que dans la chambre, en fait, il a commencé à préparer des cordes d'escalade, des baudriers et des chaussures d'escalade, ce genre de trucs. Je regarde ça et ça, j'ai un petit sourire en coin. Ouais, je m'étais dit que ça pouvait être cool. J'ai pas réussi à dormir, évidemment. Et je suis assez mal à l'aise, en fait. Ça peut se voir, je sais pas trop par quel bout commencer. Donc je triture un peu mes mains, en gardant un peu mes pieds. Est-ce que... Je sais pas comment dire. Dis-le simplement. Là. Cherche pas à faire d'effet de style. Je m'en veux, en fait. Ouais, je pense que tout le monde s'en veut. Je m'en veux d'autant plus que... Bah que nous, on est partis. J'ai même... me suis plus dit, en fait, à partir du moment où on était sur le toit... Au fait, comment va Amandine? Je pensais plus qu'à nous. Ouais, moi aussi. Je sais pas. Est-ce qu'on a eu tort? Je pense que peut-être que si on avait été la voir au lieu d'être tous les deux, peut-être qu'on aurait pu empêcher ça. Ouais, peut-être.
c'est fait. Est-ce que... On a eu un enseignement qui nous dit que pour aller de l'avant, que parfois on laisse des gens derrière. C'est ça qu'on nous apprend en fait ici. Alors quoi? Tu trouves que c'est ça qu'on nous apprend? Bah, on nous apprend à devenir des soldats. C'est vrai. C'est-à-dire, hein, des outils, des trucs qui sont là pour atteindre un but. Voilà. Moi, je sais rien faire d'autre, en fait. Et je me dis que même si j'avais été là, même si on était allé voir Amandine, je sais pas si j'aurais réussi. Je me dis qu'elle avait peut-être juste besoin que quelqu'un lui témoigne un peu d'attention. Et juste être là, ça aurait pu faire quelque chose. Peut-être. On est capable de faire ça, non? Témoigner de l'attention, on n'est pas juste des machines de guerre. Il te regarde avec un petit sourire triste. Bah, je sais pas, je trouve que tu me témoignais une assez belle attention. Ouais. Heureusement que t'es là. Je baisse les yeux avec tristesse parce que c'est difficile pour moi d'en venir au point où j'aimerais en venir. Moi, tu vois, je pense pas que... Enfin, ce que j'ai essayé d'apprendre ici, c'était pas être un outil. C'est pas... peut-être un soldat qui va tuer des gens, et voilà. Moi, ce que j'ai essayé d'apprendre, c'est... comment faire en sorte qu'on laisse le moins de gens derrière. Ouais. T'es peut-être pas comme les autres, en fait. Ça me fait sourire un peu. Parce que je me demandais ce qui me trouvait, en fait. Et du coup, le fait qu'ils me disent ça, ça m'apporte un début de réponse. Et du coup, je reprends ce que je disais. Ben, j'avais l'impression, justement, que je devais prendre ça en compte, moi, parce que... Regarde un peu les autres, justement. Ils prennent soin d'eux-mêmes et c'est tout. Le reste du groupe... de temps en temps, Max pense à Zéro. Zéro pense à Lucius. Ça tourne un peu, mais... Tu vois, cette volonté de prendre soin de tout le monde... j'avais l'impression d'être la seule à l'avoir. Tu sais quoi ? Tu penses trop. Reste comme t'es. Sois généreuse. Parce que... Il fait un petit sourire. Parce que t'es comme ça. Et ensuite, il te regarde dans les yeux, quoi. Il te dit... pense un peu à toi aussi. T'as bien droit à ça. Et là... Tu sauveras pas tout le monde. Mon visage, en fait, se déforme de tristesse et je lui dis... pas justement, hier, j'ai pensé à moi et Amandine est morte, alors que si j'avais continué de penser à tout le monde, elle serait encore là. Et je commence à pleurer. Bah, du coup, il va te prendre dans ses bras, il va commencer à t'enlacer et il va te dire Karin, écoute, on n'a pas libéré le monde encore. On va garder ça pour plus tard. Alors Une fois qu'on aura délivré le monde, et
Là, il te prend les joues, il te remonte le visage, il te regarde dans les yeux. On aura le droit de pleurer alors, à ce moment-là. Serre-toi en comme une force. Je comprends pas trop où il va en venir, mais je sais qu'il essaye de me consoler, alors je le serre dans mes bras. Et je lui dis... Enfin, puis je me récarte un peu. Et je lui demande... Est-ce que tu penses qu'il faudrait attendre que le monde soit sauvé pour qu'on continue ce qu'on a? Tu vois que là, ça lui a, tu as planté un poignard dans le cœur hein, en disant ça. Et il essaye de faire mine qu'il a pas été touché, tu vois. Il s'écarte un peu de toi. J'en sais rien. Puis ensuite, il regarde par terre, il regarde sur son lit. Il prend le baudrier et un baudrier et des chaussures d'escalade. Il fait... On se l'est promis, on va au moins faire ça, non? Je le regarde et je lui fais un sourire et je fais oui de la tête. Ça sera notre cadeau de... J'ai pas envie de dire d'adieu. On va dire de... Au revoir. Ça te va? Ok. Et on peindra tout, sauf deux étoiles, et on reviendra les peindre quand on aura fini. Ce pourquoi on a été entraîné. Lorsqu'on pourra penser à nous, ça te va? Ça me va. Ok. Et là, il essaye de reprendre un air, tu sais, normal, même s'il n'y arrive pas, tu vois. Et... il te tend le matériel d'escalade et il te fait un signe comme pour faire un check, tu sais, comme vous aviez fait sur le toit pour sceller la promesse. J'attrape le matériel qui me tend et je lui rends le check. Ok, et donc du coup bah après vous commencez à préparer et puis une fois la nuit tombée, l'idée c'est de faire le mur pour aller peindre quelques étoiles. Sur le plafond du pôle sud. Je pense qu'on devrait pas faire ça ce soir, par contre. J'avais dans l'idée que... Enfin, tu vois, je sais pas s'il va y avoir une enquête sur la mort d'Amandine, mais... Comme j'ai dit, s'il y a une série de suicides, c'est peut-être que... qu'il y a quelque chose derrière. Kara, on a dit que... on le faisait. C'est la dernière fois qu'on pense à nous. Avant... Je sais pas combien de temps. Laisse-nous au moins ça. Laisse-moi au moins ça. S'il te plaît. Ça veut pas dire que... qu'on peut pas le faire après-demain. Demain. Repousse pas. S'il te plaît. J'ai besoin de me rapprocher à quelque chose. Si ce n'est pas... Si tu décides que... on doit pas penser à nous... au moins ce soir. S'il te plaît. Je vais vers lui et je l'étreins. Et j'ai mon visage proche de lui et j'hésite. Je lui dis... sinon, raccroche-toi pour ce soir à ça. Et je lui dépose un baiser sur les lèvres. Un baiser qui te rend, évidemment. Je préfère qu'on conclue ça bien quand j'aurai fait ce que j'estime devoir faire pour Amandine maintenant, et qu'une fois que j'aurai vu si oui ou non il y a vraiment quelque chose derrière ça, on prenne vraiment le temps.
de faire notre soirée bien. Ok. Ok. Je te contredis pas. Et Akina peut voir qu'en fait ça me fend le cœur de faire tout ça, en fait, de dire que je mets les choses en... que je mets ma vie en pause jusqu'à ce qu'on ait libéré la Terre, que... de pas aller avec lui, de me remettre, en fait, tout ce poids de responsabilité dessus, alors que... qu'au final, je sais pas ce qu'est l'amour, mais ce qu'on a eu était tellement... tellement beau que je me dis que ça doit être ça, et qu'en fait je suis en train de faire une croix sur ce que je pense être l'amour pour le devoir, mais que ça me coûte beaucoup. Ok, du coup Akina va te... Il est un peu en mode j'ai pas envie, enfin j'ai envie que ce moment dure le plus longtemps possible, donc il va rien faire pour enlever l'étreinte ou pour te raccompagner, ou... il va rester là, essayer de profiter de l'instant le plus possible. Jusqu'à ce que tu décides de partir. Bah moi je vais le briser au bout de quelques secondes, en fait, quand même, parce que ça... C'est comme retirer un pansement, c'est-à-dire que je peux repousser le truc le plus longtemps possible, à un moment il faut quand même que je le tire. Donc je me recule et je lui dis, est-ce que tu viendrais avec moi pour faire la lumière sur ça? Ouais, je viendrai. Pas ce soir, mais je viens. T'inquiète pas. Pas ce soir? Laisse-moi un peu de temps, tu vois. Là, je lui fais un sourire un peu triste, parce que je me rends compte qu'en fait, je lui fais de la peine, et ça me fait de la peine. Je lui dis ok. Et je sors de la chambre à reculons, en fait, pour pas perdre le contact visuel, parce que malgré moi, j'aimerais bien aussi que ça continue... Et puis, je refermerai la porte en le regardant. Au moment où tu refermes la porte, tu entends Akina murmurer. C'était une chouette soirée. Et du coup, ouais, voilà, tu refermes la porte. Très bien. Du coup, les autres, vous faites quelque chose de particulier Moi, je vais avec Zéro. Je l'aide un peu à s'entraîner. D'accord. Et du coup, Alexis? En fait, déjà à la cantine, j'aurais été pour manger, non pas par faim et par appétit, mais juste pour du coup avoir des forces au cas où on nous appelle. Et je serais passé devant les autres, je me serais pas assis à côté d'eux, j'aurais pris une table seule. Et pas plus auprès de Lucius d'ailleurs. J'aurais mangé seul, et ensuite, j'aurais essayer de prendre soin de mon matériel, ce genre de choses, et puis d'attendre en fait dans ma chambre en réfléchissant, parce que pour l'instant il n'y avait pas de doute, mais le fait que la discussion qu'ont eu Madame Gridway et la Juiceward, l'argument de Maria Gridway, je trouve qu'il était pertinent. Je comprends pas vraiment comment on peut mettre une étiquette de méchant sur des gens parce qu'ils s'en prennent au peuple, et ensuite pour le bien du peuple dire qu'on, et faire la même chose mais en disant que c'est pour le bien du peuple. Mais j'essaie juste de me raccrocher à une idée, c'est que Gladius, s'il décide ça, il doit savoir ce qu'il fait. Donc je comprends pas la décision, mais j'essaie de, pour moi il peut pas se tromper, donc je me raccroche à ça et j'attends les ordres. Ok, et du coup les ordres ne venant pas, tu vas te coucher Ouais, ok. Kara, t'avais un deuxième truc que tu voulais faire, c'est ça? Ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir chacun des bugs
enfin du coup Sofakina que j'ai déjà vu, et leur proposer qu'on aille dès ce soir en fait essayer de faire la lumière sur les circonstances de la mort d'Amandine. Bah vas-y, je t'en prie. Passe dans chaque chambre, toc. Bah je vais commencer au, à aller au gymnase, hein. Pour Zéro et Max en au gymnase. Ouais, mais vous allez pas être au gymnase, enfin à un moment vous allez venir manger quoi aussi, donc vous allez être dans vos chambres à... Bon, tu veux m'obliger à faire en sorte que je le fasse au repas. Bon, en tout cas, la première personne que j'aurais été voir, c'est Lina. Oui. Donc, pareil, je frappe à sa porte. Lina t'ouvre et te fait un sourire, elle est contente de te voir. Tu n'arrives pas à dormir? Oh, j'ai pas essayé. En fait, je me disais que on devrait essayer d'aller faire la lumière sur ce qui est arrivé à Amandine. Je suis d'accord. J'ai peur que le conseil demain de nous envoyer en mission, et je crois qu'ils vont pas se poser de questions sur un suicide, ni même sur une série de suicides, donc c'est maintenant ou jamais. Maintenant, t'entends tout de suite, là? Instamment? Ouais. Je prends une veste, j'arrive. Je souris en attendant à la porte pendant qu'elle prend sa veste. Je suis contente de voir que on a quand même toujours un esprit d'équipe et une volonté de faire les choses bien pour ceux qui sont plus parmi nous. Bon, et puis quand même une écharpe et des gants, parce que... Bon, allez, on y va. Ok. Donc, vu qu'on est du côté filles des dortoirs, la prochaine personne que je vais voir, c'est Alexis. Donc on frappe avec Lina chez Alexis. D'accord. Bah moi, je m'attends peut-être à ce que ça soit des ordres du nouveau. Alors du coup, je viens, j'ouvre la porte et je vous vois. Salut. Oui, salut. Est-ce que ça te dirait d'aller mener une enquête? C'est-à-dire? C'est-à-dire savoir ce qui est arrivé à Amandine. Et les ordres viennent d'où? Ah, c'est une initiative personnelle. C'est ça. Je sais pas si tu réalises, mais t'as... Mais après tous les reproches que tu m'as fait ce soir, je sais pas, tu me reproches de... En gros, d'avoir été insensible au sort d'Amandine, de m'être entraîné, sachant que cet entraînement est pour le bien de la communauté, puisque plus je deviens performante, plus je peux sauver potentiellement de vie. Donc, en gros, tu m'as reproché de pas avoir prêté attention à un cas particulier, sachant que je me concentrais pour le bien de l'ensemble. Est-ce que tu crois pas que là, on est censé attendre des ordres? Peut-être qu'à 1h du matin, 2h du matin, ils auront besoin de nous. Et pour une seule personne, tu prendrais le risque de ne pas être présente. Je pense que la morale, tu peux la garder pour toi, en fait. Enfin, ta vision de la morale, parce que vraiment, je la perçois très, très mal. Tu pouvais juste dire non. Bah, tu vois, j'ai argumenté. Et là, je ferme la porte. Jette un regard un peu désappointé à Lina. Mais qu'est-ce qu'elle peut être pétasse quand elle s'y met? Moi, j'essaye de pas le montrer, mais en fait, ça me serre le cœur de voir que le groupe que je considère comme ma famille, en fait, est en train de s'entre-déchirer. Mais j'essaye de faire mine que ça m'a tapé, et je lui dis bon. On va aller chercher les garçons. Tu sais, je pense que, en marchant, je pense que on est en train de faire le jeu demi-fausse finalement.
On se déchire, on n'est pas unis. Et... C'est ce que tu disais sur Madame Solipsis, sur ce qu'elle fait, le fait qu'elle essaye de... elle s'en va et elle nous laisse la suivre jusqu'à un certain point, comme pour nous donner une cohésion de groupe. C'est... Je me demande si on va arriver à faire ce pour quoi on nous forme finalement. Je t'avoue que je suis en train de me poser la même question. Franchement, sur un champ de bataille, mon stéthoscope, à part le foutre dans la gueule de Lucius, je vois pas bien où je peux lui mettre. Non, mais... Peut-être que ce qu'ils décideront au final, c'est de faire deux groupes, deux escouades. Alexis pourra rester avec Lucius. Ils s'entendront bien. Vive l'ambiance. Allez, on va cracher dessus. Suivant. Bon. Donc, je passe frapper chez Max, du coup. Ben, si on est de retour, je suis là. Alexis a posé un pointeur à 1h du matin. Ben, je suis là. Donc, t'as Max qui ouvre la porte. Salut. Salut. Est-ce que ça te dirait qu'on aille voir ce qui est arrivé à Amandine ? Ouais, tout ce que tu veux, je vais... J'aimerais pas dormir de toute façon ce soir. Puis, Bon bah du coup, on passe chez Zéro après. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Karin ? Bah, je sais qu'il est tard, mais tu sais que demain on est censé avoir nos premières missions. Et je doute que il y ait une enquête qui soit ouverte par rapport à la série de suicides dont Amandine fait partie. Alors, tant qu'on est encore libre, j'ai pensé que on pouvait essayer de faire ça pour elle, découvrir la vérité sur ça. Qu'est-ce que je dois prendre ? Un manteau. D'accord. Ben, j'arrive. J'espère que j'arrive. Et tu vois, il referme la porte doucement, mais il va juste prendre un manteau et il va ressortir avec une espèce de petite besace ou une sac où dedans il aura mis un carnet, un stylo, ce qu'il faisait quand Max avait des plans, mais il se dit que même s'il sera pas très utile, c'est important de faire la lumière sur cette série de suicides dont Amandine peut-être a été la victime ou pas, quoi. Il se dit que si c'est la responsabilité des bugs de V sur les autres, même si c'est pas une mission, peut-être que ça pourra aider à aider la population, hein. Et comprendre pourquoi Amandine, du coup, est morte. Bah, du coup, on est tous là et je sais pas ce que vous en pensez, mais à votre avis, est-ce que ça vaut le coup d'inviter Lucius ? Moi, je pense que si tu retrouvais ce qui arrive, enfin, pour moi, il faut qu'on trouve le mec à qui, enfin, auprès de qui Amandine s'était fourni le poème, et voir si en croisant les poèmes pour dépressifs là, si ça match des disparitions, quoi. Mais c'était pas sa question. Moi, je dirais qu'il tente rien à rien. Il voudra jamais venir. Il s'en fout complètement, de toute façon. Il peut pas me répondre pire qu'Alexis. Ouais. Pas faux. Bon, du coup, on vient frapper chez Lucius. Au moment où tu frappes, t'entends... Tu sais, les lattes du lit qui bougent. C'est qui ? Kara. Et Lina, et Max, et Zéro. Et vous faites un sitting devant ma porte ? Sauf si tu nous ouvres. C'est pourquoi ? T'entends les lattes qui retournent un peu, il était visiblement allongé sur son lit. Une enquête nocturne.
Pour faire quoi? Savoir ce qui arrivait à Amandine. Rien à foutre. Quel abruti. Bon bah du coup, je tourne les talons et pareil, j'essaye de pas montrer que ça m'affecte le fait que qu'on soit complètement désunis, mais tu as entendu les lattes. Tu as l'impression qu'il s'est relevé de son lit et qu'il s'est dirigé vers la porte. Peut-être t'as entendu des pas vers la porte. Bah, moi je m'éloigne et puis j'invite les autres à me suivre, quoi, vu qu'il a dit non. Si jamais il ouvre la porte et qu'il dit autre chose, on verra, mais... T'entends le... Ben, la porte, la poignée qui ouvre la porte, j'arrive, 2 secondes. Alors ça me fait super plaisir. Enlève ce sourire débile de ton visage. Et il vous rejoint. Cool. Tu pourras peut-être... glisser un mot à Alexis, elle n'était pas partante. C'est une enquête ou faut que je fasse du recrutement maintenant? C'est une enquête. Bon bah voilà. Bon bah du coup, on se met en route. Je peux peut-être... enfin, je sais pas, je peux peut-être essayer avec Alexis. Bah, je sais qu'elle aime pas quand je fais des trucs et que moi je le fais et qu'elle le fait pas, alors... Peut-être ça peut la motiver indirectement. Enfin, au moins ça sera pour la bonne cause, mais indirectement quoi. Enfin, je sais pas. Bah vas-y, on peut prendre encore 5 minutes, je pense. Du coup, bah en silence, je vais juste essayer de me diriger du coup à la porte d'Alexis et du coup frapper à sa porte quoi. Et du coup, bah, une fois de plus, je me demande si on vient pas nous donner des ordres pendant la nuit, donc. Je vais vers la porte et je l'ouvre. Ouais. Zéro. Alexis, écoute, enfin, on va essayer de savoir ce qui s'est passé pour Amandine. Je sais que tu t'en fous, que tu veux pas t'attacher et tout, mais enfin ça, tu veux pas venir. Ça serait cool si tu venais, quoi. Ça nous aiderait. Bah, si vous avez un doute sur le pour les causes de sa mort, je comprends qu'il, tout à fait que vous ayez envie de comprendre. Mais le souci, c'est que là, on est en période de crise et qu'on peut venir nous chercher à tout moment. Moi, je veux pas déserter. Mais écoute, si je peux avoir, s'ils viennent nous chercher, j'essaie de vous couvrir à un moment et de vous envoyer un message pour vous dire de répliquer. On a trouvé un bobard. Pour pas que tu te fasses... pour pas que t'aies 10 minutes de retard. Zéro, il a un petit quart sur rêve. En tout cas, si tu veux aider les gens, tu peux toujours venir. C'est déjà gentil. Mais tu sais, aider les gens, je pense que c'est pour ça que je m'entraîne et c'est tragique la fin d'Amandine, peu importe finalement ce qu'il a causé, si c'est de son geste ou pas, mais... Mais tu peux voir ça comme une libération parce que dans un sens, et si elle s'est suicidée, c'est-à-dire que tu pouvais pas donner toute ton attention à quelqu'un parce qu'il était sur le point de se suicider, sachant qu'on est censé s'entraîner pour sauver encore plus de personnes. Et si c'est pas un suicide et que c'est vraiment quelqu'un, tu crois pas que tu pourrais nous aider à mettre à mal cette personne? On serait bien vu et puis on aiderait les gens comme ça. Et c'est là où t'es super forte. Tu vois, tu sais que t'es meilleur que moi, quoi. Donc et en plus tu pourrais tous nous aider. On doit se faire confiance, quoi. Bon, bah si vous trouvez des pistes et qu'effectivement t'avères que tu as vraiment besoin de moi, appelle-moi. Bah j'ai besoin de toi.
Claudissa en baissant un peu les yeux, mais tout doucement, comme s'il voulait pas se l'avouer. Écoute, pour l'instant, ce sont des intuitions. Si vous tombez sur des preuves, je ne peux pas prendre le risque de déserter sur des simples intuitions. Parce que si on vient nous chercher ce soir et qu'on a besoin de nous et qu'on n'est pas là, pas présent, et que pour une personne, finalement, on finit par risquer la vie de nombreuses personnes, je vois pas en quoi ce serait juste. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Mais peut-être qu'on va sauver la vie de plein de personnes avec peut-être l'enquête de ce soir. Parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, mais je te comprends. Mais en tout cas, je suis sûr que Gladius, il serait fier de toi. Du coup, tu vois Zéro qui va remettre sa capuche. Et tu vas sûrement à plus tard. Et là, tu peux voir que j'ai un sourire. Enfin, je te souris, c'est peut-être la première fois, tu vois, que c'est le cas. Donc, voilà. Du coup, après, je reviens dans le groupe en leur disant qu'Alexis nous aidera si on a des preuves concrètes, mais qu'elle préfère rester alerte en cas d'ordre de mission. Bon, en avant. J'ai une question. Est-ce que Cetra a l'habitude d'être debout à cette heure-ci? Ça dépend des soirs. Potentiellement, oui. Ça dépend de ce que tu veux faire. Max, il aimerait bien envoyer un message à Cetra pour savoir s'il y a des infos sur des gens qui font du marché noir. Vous pouvez passer si vous le souhaitez. Moi je suis pas pour parce que on fait ça un peu en discretos, quoi. On est censé rester à l'internat et puis attendre. Gladius il a été clair, donc si on commence à dire à des gens oui au fait. Des trucs, des bidules, en plus il est super tard, je pense que ça c'est un truc qui peut attendre le lendemain, alors que notre opportunité à nous de sortir, elle est limitée dans le temps. Ok. Est-ce que l'un de vous se rappelle d'un des noms des membres là, du club de poètes là? Moi je pense surtout qu'on devrait aller chez Amandine. Mais Akina il vient pas? Non, il vient pas ce soir. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que vous faites du coup? C'est quoi votre plan d'action? Moi je proposerais qu'on aille chez Amandine, que c'est sans doute là que le suicide a eu lieu et que c'est là qu'on pourra peut-être aussi trouver des informations sur son état d'esprit. Est-ce qu'elle était vraiment super mal? Est-ce qu'elle avait un journal intime? Est-ce que ce genre de choses, hein. Moi c'est là, par là que je commencerai. Max, je vais suivre. Moi je suivrai également. Ok, donc vous allez comme ça dans les bas-fonds, entre guillemets, dans la ville basse, on va appeler ça comme ça. Comment dire, sans précaution aucune, quoi. Vous grimez pas. Après, vu qu'il fait nuit, je sais pas si c'est trop nécessaire qu'on se grime. Non, du tout, c'était juste une question en fait. Est-ce que vous souhaitez ou pas en fait? Non, on va se balader, enfin, on va se diriger. Moi j'ai ma capuche, moi. D'accord. Vers l'appart. Mais un truc qui pourrait sauver notre attention, c'est si on voit quelqu'un qui s'est refourgué, je sais pas moi, des trucs à la sauvette le soir, peut-être je voudrais l'interroger, quoi. D'accord. Ok. Donc là vous arrivez, vous êtes dans la ville basse, vous arrivez au niveau de l'endroit où, enfin du bloc, on va dire, de l'immeuble. Où habitait Amandine. C'est donc une succession de tout petits appartements très miteux, avec une seule ouverture en guise de fenêtre. Ça ressemble, comme je vous ai dit la dernière fois, vraiment à des sortes de clapiers de lapins métalliques. En bas de cet immeuble, effectivement, tu vois un gars qui a une sorte de stand, je dirais, un peu à la sauvette, avec c'est une sorte de charrette qui lui sert de stand. Vous voyez clairement les deux roues, mais sur ce stand, le gars a posé quelques
bah, vous voyez quelques légumes qui sont qui ont vraiment une sale mine. Peut-être que vous voyez quelques carottes, quelques radis, mais vraiment ils sont tout rachitiques, quoi. Rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de manger, notamment chez Michel Cetrin. Et donc au moment où vous arrivez, le gars commence à vous toiser et à faire Hey, barre des champignons. Je me rapproche du type. Les champignons, ouais, ça. Écoute, c'est un peu chier, mais. Ça pousse chez moi. T'irais pas plutôt. Je sais pas moi, des. Des trucs pour passer le temps, quoi. Je sais pas moi, des bouquins ou des trucs comme ça. Non, des bouquins. Trouver, quoi. Des bouquins, ça coûte la peau du cul, ça. J'ai de la distraction si tu veux, je fais pousser autre chose. Mais ça va coûter un peu plus cher. Ouais, ça aurait pu m'intéresser, mais c'est pas ce que j'avais en tête ce soir. Tu te défonces avec des bouquins, toi. C'est chelou, quoi. Ouais, puis je m'éloigne, quoi. Il te regarde en effet. Hey, tu serais pas un de ces types qui cherchent le gars là, le gars qui écrit là. Là, je me retourne, là, intéressé, carrément. Putain, mais vous êtes des malades. Franchement, ça vous fait triper ça, des lettres écrites sur du papier. Putain, où va le monde? Comment? T'en as déjà lu? Moi j'en ai déjà lu. Non, mais où va le monde? Je vais pas me défoncer avec des. Enfin bon. Écoute, pour 50 crédits, je peux te donner peut-être un spot. Ça marche. À bout de la thune d'abord. Mais 50 crédits, c'est énorme ou c'est comment? 50 crédits, pour vous, c'est rien. Clairement, moi j'ai pensé à prendre de la thune parce que j'étais déjà dans l'idée de. Ouais, pas de soucis. Essayer de. En gros, 50 crédits, pour vous, c'est rien. Mais si vous voulez, on peut faire l'équivalence crédit euro, si vous voulez. L'idée, d'accord. C'est que avec 50 crédits, tu peux manger pendant, je sais pas moi, tu peux manger pendant 3 semaines tranquille. Bah c'est énorme, quoi. Donc pour vous, ça n'a rien à voir. Pour vous, c'est rien, parce que vous êtes un peu au-dessus de ça, quoi. Mais pour quelqu'un du peuple, c'est énorme. Ok, pour des gens qui sont chez Cetra, c'est de l'argent de poche, quoi. Ah ouais, c'est de l'argent de poche. Je sais pas, moi, par semaine, tu dois avoir bien plus, quoi. Ok, bah en tout cas, je fais le deal avec lui. Mais je lâche pas trop facilement, tu sais, j'essaie d'un peu de marchander, 45... Ah, lui, il va rester sur 50, quoi. Et je lâche au bout d'un moment. Bon, ok. Alors, il y a un gars. Bon, c'est un cousin germain par alliance qui m'a dit ça. Mais il y a un gars. Il se place tous les samedis soirs sur la place du marché entre 3h du mat et 4h du mat. Et il vend votre cam avec des lettres là. Et il paraît que ça rend les gens dingues. Et il vend ça à un prix d'or. Ok, ben merci pour l'info. C'est cool mec. Et puis je le laisse comme ça là. Tu. Et vous voulez pas manger mieux que. Que ce que vous avez là, les champignons? Non, moi ce que je veux c'est une lettre. Désolé mec, une autre fois. Putain de taré, où va le monde, quoi. Préfère des putains de poèmes à de la bouffe, je comprends plus rien.
Et du coup, le gars, bah, tu le laisses, voilà. Il est en mode. Pff. Et du coup, vous êtes en bas de l'appartement de chez Amandine. Qu'est-ce que vous faites? Mais on va monter. Ok. Vous arrivez donc devant cet appartement, il y a des scellés. Type ce qu'on met sur une scène de pas de crime, mais disons que c'est ce sont des scellés qui indiquent que l'appartement va être nettoyé bientôt, quoi. Et qu'il y a potentiellement encore quelque chose dedans, quoi. Peut-être. En tout cas, vous voyez, c'est comme si c'était une entreprise de nettoyage qui avait mis un truc du genre ne pas rentrer, on va bientôt nettoyer. D'accord. C'est pas un truc de police, c'est pas des scellés de police, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, est-ce que c'est des scellés, c'est-à-dire qu'on est obligé de casser pour rentrer, ouais. Ou est-ce qu'on peut passer dessous? Non, faut casser pour rentrer. Crotte. C'est un. Imagine, c'est comme. Tu vois, une sorte de seau de cire qui relie la porte et le cadre de la porte. Et sur ce seau de cire, il y a un petit papier avec l'entreprise de nettoyage, quoi, si tu veux, qui dit que il faut pas rentrer et que ils vont nettoyer. Est-ce qu'il y a une autre entrée possible par une fenêtre ou quelque chose? Ouais, faut grimper par la fenêtre, mais du coup tu risques d'être vu de l'extérieur. Pendant que Kara réfléchit, il y a Max qui arrive et qui commence à arracher les scellés. Pas les bandes, mais au bout des scellés. Mais arrête, Max, non. On s'en fout, y'a personne qui est là. Mais tu veux quoi, qu'il y ait un nouvel article, les bugs profanent des tombes ou un truc comme ça? Je continue à moins que m'en empêche. Nathan va essayer de te mettre la main sur l'épaule. Non, mais non, Max, non. Tiens, bah réfléchis plutôt à comment les remettre après que je les ai enlevés. Non, mais moi je t'empêche aussi de les enlever. Hein. Si je vois que vous insistez, j'arrête, quoi. C'est quand même. J'en ai enlevé une partie quand même déjà. Allez, mais il y a la moitié qui est enlevée là. Putain, on va pas rester là pendant 3 plombes. Quand je vois que tu hésites, je continue à enlever. Je laisse faire avec des piles. Lorsque vous rentrez dans la pièce, faut vraiment imaginer une pièce centrale unique avec un tout petit armoire, une table, une chaise unique, un matelas à même le sol, et un matelas pas de très bonne qualité. Et ensuite, donc ça c'est la pièce à vivre si vous voulez. Et ensuite sur le côté, il y a tout ce qui est toilette si vous voulez et salle de bain. La salle de bain ce n'est qu'une douche en fait. Et une douche, c'est un bidet avec un tuyau qui fait douche, quoi. Et vous voyez des traces en fait de rouge, donc de sang, dans cette douche qui n'a pas été nettoyée donc. Il n'y a pas le corps d'Amandine. Comment? Non, il n'y a pas Amandine. Le corps d'Amandine. Le corps d'Amandine n'y est pas, non, effectivement. Il y a juste les traces de son suicide. Moi, j'essaie vraiment de pas regarder ça parce que j'ai encore les larmes qui montent aux yeux. Et je me sens vraiment mal, quoi. Et je pointerai du coup si les autres me posent des questions, vu que j'avais sûrement l'habitude de venir. Je vais juste pointer les endroits où peut-être il pourrait avoir quelque chose, enfin, où j'avais dû voir Amandine mettre des affaires ou je sais pas. Le premier réflexe de Max, c'est détourner les yeux, mais il va se forcer et quand même essayer de passer outre et essayer de regarder s'il n'y a pas des choses dans la salle de bain, genre des cachettes ou un truc comme ça. Ou... genre une trappe d'aération, un truc comme ça, quoi. Ok. Ouais, d'accord. Mais comment est-ce que tu cherches ça, en fait? Enfin, ma question vraiment, c'est, tu cherches de manière minutieuse, cadrée, ou alors tu cherches un peu au pif, là où c'est au pif. Je vais. Je me dis où est-ce que je le mettrai. Et puis je vais là où je pensais au moins je le mettrai, quoi. Ou je me dis où elle pourrait le mettre. Enfin, j'essaie de me mettre à sa place et
Je vais pas dans le minutieux, mais je vais essayer de mettre à sa place, quoi. D'accord. Donc ouais, c'est ça, tu utilises l'intuition. C'est ça. Plutôt oui. Plutôt que le raisonnement carré. Oui. Ok, ça roule. Du coup, tu te dis que si Amandine devait lire des poèmes en cachette, ça doit être très certainement... Le seul coin un peu cosy, c'est son lit, tu vois. Le reste, c'est très froid, très... Ouais, très très carré, quoi, avec le néon au plafond et tout, donc le seul endroit, ça serait vraiment son matelas. Ok, bah je me dirige vers le matelas et puis je le soulève, quoi. Ouais. En fait, le matelas est fendu en deux, dans le sens de de l'épaisseur. Et à l'intérieur, effectivement, il y a des feuillets. Bah alors moi déjà en fait, avant que tu fasses tout ça, quand je vois que Zéro est pas bien, bah je vais passer un bras autour de ses épaules et le serrer un peu pour lui donner un peu de courage. Et je suppose que pareil Lina, ça doit pas être la fête, donc en fait je vais essayer de redonner un peu de courage au groupe. Donc il y a Max qui secoue les feuillets et qui les pose devant tout le monde, je sais pas, sur un coin de table ou de cuisine. Enfin, je pense qu'il y a un petit coin quand même pour poser quelque chose. T'étais déjà venu pour savoir que c'était là. Et puis je dis que si je déconseille à quiconque de lire cette merde, mais à mon avis c'est de la prose encore. Mais pourquoi faudrait pas les lire? Enfin, c'était ça qu'elle avait lu, Amandine. C'est cela. T'as vu ce que ça lui a fait? Bah c'est, ça se trouve, c'est son journal intime, et peut-être qu'il y a des informations sur un type louche ou quelque chose. Ouais, les journaux intimes, ils sont toujours sous les matelas. C'est un peu léger, non, pour être un journal intime? Oui, c'est un peu léger pour être un journal intime. Mais ça pourrait être les dernières pages. Enfin bon, il faut qu'on lise pour savoir. Mais il faut lire, oui, c'est important. Ok, okay. J'ai compris, je vais me les taper. Comment encore. Ça, tu vas lire le journal intime d'Amandine Quoi, tu veux lire, Kara? Bah, je pense que la question qui se pose, c'est si jamais c'est ça, qui elle préférait que ce soit qu'il le dise, hein, si c'est personnel. Oh, tu te prends trop la tête. Max commence à lire le début. D'accord, il s'agit effectivement d'un poème. Le poème dit... Le soleil s'est couvert d'un crêpe, comme lui, ô lune de ma vie, emmitoufle-toi d'ombre, dors ou fume à ton gré, sois muette, sois sombre, et plonge tout entier au gouffre de l'ennui. Je t'aime ainsi. Pourtant, si tu veux aujourd'hui, comme un astre éclipsé qui sort de la pénombre, te pavaner au lieu que la folie encombre, c'est bien, charmant poignard jailli de ton étui. Allume ta prunelle à la flamme des lustres, allume le désir dans les regards des rustres. Tout de toi, mes plaisirs, morbides et pétulants. Sois ce que tu voudras, nuit noire, rouge aurore, il n'est pas une fibre en tout mon corps tremblant qui ne crie « Ô mon cher Belzébuth, je t'adore. » Bon alors, c'est quoi? Et là, après avoir lu Saint-Max, tu te sens... Tu te sens au fond de ta vie. Tu es pris d'une tristesse profonde. Et très particulièrement, tu sens que ta mère te manque terriblement, en fait. Et Max, ça va? Max qui prend un grand souffle. Ça fait vraiment chier d'être un bug, quoi. Franchement, on aurait toute cette merde sur le dos là, tout chaque fois qu'on nous demande des choses. Et puis la Amandine qui se suicide. Franchement, moi j'ai rien demandé de tout ça. Et oui, c'est de la prose encore, comme ce qu'on a eu.
Bon, il faut, moi je comprends, le mec en fait, tu veux que je te dise, le mec qui a écrit ça, il a tout compris. Tu vois. Et le monde est pourri. Et ça, ça t'ouvre les yeux, tu vois. Mais voilà, ça y est, il a compris. Mais ça justifie pas que les gens meurent et puis si... Enfin, il faut qu'on fasse quelque chose. Y a rien à faire. On se... Fait chier de sa vie de merde là. Moi je regarde Max en mode What the fuck. Avec les grands yeux étonnés, mais genre, mais c'est pas possible, c'est pas Max, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une preuve, il faut qu'on garde ça. Et là, dans le petit sac, Zéro a le carnet où il a l'habitude de prendre des choses, de noter des choses pour les plans de Max ou les objets de Lucius. Il va juste le tendre en l'ouvrant devant Max, il fait, vas-y, mets-le dedans, on va le garder pour plus tard, c'est une preuve, peut-être. Une preuve sur quoi? C'est une preuve sur la vie est merdique. Le fait qu'on n'aurait pas été là. Moi, je trouve, je me demande vraiment qu'est-ce que quelqu'un a pu écrire qui fasse passer Max avec une vision aussi négative de la vie. Et donc, je prends le papier et puis je le parcours, savoir quelle est cette fameuse vérité poignante qui fait revoir le monde, quoi. Pendant que Kara a fait ça, Léna s'est levée, pris Max par les épaules et l'a secoué, genre « Réveille-toi, réveille-toi » et elle le tarte gentiment, on va dire. Elle essaye pas de lui décrocher la mâchoire non plus, genre pour le réveiller. Je suis réveillé. Oui, bah arrête tes conneries alors. Mais pourquoi tu me pelles une baffe d'abord ? C'est pour la fois avec Nathan. C'est bon, je crois qu'il est reparmi nous. Et du coup, Kara, tu sens le même sentiment, ce même sentiment que j'ai décrit à Max tout à l'heure. Donc, le fait que tu te sens complètement déprimé et que, Tu sens une présence qui te manque en fait. Une présence féminine peut-être ta mère. Effectivement. Je laisse tomber les. Enfin, je laisse tomber mon bras qui tient les papiers mollement le long de mon corps. Visiblement très perdu dans mes pensées. Il y a Max qui sait ce que ressent Kara et. Il a envie de partager aussi un moment de tendresse et il essaie de se trouver un coin de réconfort et c'est vers Kara qui se dirige quoi. Bah je te regarde t'approcher et je te fixe dans les yeux et je dis que ceux qu'on a perdus, ils reviendront jamais. Je hoche la tête et puis je te sers contre moi. Quoi. Donc, pendant que tu me sers, je continue. À quoi ça sert de vivre si on sait que tout le monde va mourir? Non mais... Non, bah... C'est quoi ces conneries là? Oh mais ils vont se réveiller. Du coup, moi, je vais juste essayer de prendre le papier, enfin, si c'est vraiment ballant sur le corps de Kara, pour essayer de le ranger, parce que j'ai l'impression que à la lecture de ça, ils sont en train de complètement partir ailleurs, donc pour au moins le garder, et du coup le ranger, parce que j'ai l'impression que ça fait un club de dépression, quoi. Et que on est. Donc voilà. Mais vraiment, en étant discret. En essayant comme si on allait me frapper ou pas, mais vraiment un mouvement très timide. Bah, il y aura aucune opposition quand tu récupères le papier de ma main. Okay. Bah, je vais même pas le lire, hein, parce que bon, je vois bien ce que ça fait, mais je vais juste le ranger, quoi. Le remettre dans mon sac, du coup. Léna, elle se dirige dans l'espace de coin cuisine, elle prend une casserole. Et elle va au tuyau qui sert de douche. Elle la remplit, elle vous asperge d'eau pour
essayez de vous réveiller, quoi. C'est, enfin, l'impression d'avoir deux déprimés devant, c'est pas possible d'entendre des paroles comme ça. Est-ce que ça nous réveille, effectivement? Là, il y a Max qui sursaute et qui lui dit « Eh, mais c'est pas l'heure du concours de t-shirt mouillé, là. Il caille dehors, quoi. Sérieux ?» Moi, je fais des grands yeux. Hein. Ben, moi, je reste un peu stupéfaite sur place à cligner les yeux, effectivement, comme si j'étais en train de dormir et qu'on venait de me balancer un saut de flotte à la figure. Je crois qu'il faut pas lire le papier. Enfin, vous êtes bizarre après, quoi. Alina te regarde d'un air... Tu sais, le regard qui veut dire... Ouais, je sais pas sûr qu'il te faille les papiers pour être bizarre, mais... Oui, range-les. On sait jamais. Ouais. C'est bizarre. Enfin, là, c'était vous qui étiez bizarre, en fait. Vous avez... Enfin... J'ai l'impression que il faut qu'on trouve celui qui a fait ça parce que ça pourrait expliquer peut-être beaucoup de choses. Parce que quoi? Il y a un type qui écrit des poèmes et ça rend les gens tristes? Ça peut expliquer quoi? Vous appelez ça une preuve? T'appelles ça une preuve, toi, Nathan? Non, c'est pas une preuve, mais on peut en trouver d'autres, peut-être. À part passer pour des fumeurs d'herbe, je vois pas ce qu'on va... Oui, mais il y a bien quelqu'un qui écrit ça, non? Il est ici, apparemment. C'est ce qu'il se disait pendant que Amandine lisait le poème. Si c'est lui qui fait ça et qui rend. Enfin, s'il pousse les gens jusqu'au suicide à cause de la tristesse, c'est un peu dangereux et c'est nous dont on se doit de protéger les gens. C'est un peu dangereux. J'aime ta façon de minimiser ça. Très bien, et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais c'est pas illégal de dire que ce monde est pourri. Par contre, c'est pas illégal de le vendre sur les marchés un samedi soir à 3h du mat, là, ça peut-être. Le mec, il a peur de quelque chose, quoi. Le mec, il écrit des poèmes. Mais si les gens se suicident après avoir lu ce poème... Cause à effet, juste parce qu'ils ont lu, ils se suicident. Ça paraît un peu léger, quand même. Bah ouais. Mais... Ce qui est sûr, c'est que lire ça, ça a pas dû aider à son moral. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a Lucius qui coupe la conversation. Bon, on attend que les racines nous prennent, là. La vérité, c'est que... La vie, c'est de la merde, et ça, et ce papier, ça te le met en plein dans ta face. Et on devrait arrêter de se prendre la tête à lire ces conneries, et puis c'est tout, quoi. À mon avis, faut qu'on chope le mec, et qu'on aille brûler tout ce qu'il a écrit, quoi. Oui, ça n'empêchera pas d'en réécrire. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on brûle le type, hein. Je te fais juste remarquer que ça n'empêchera pas d'en réécrire. T'as un sourire qui s'affiche sur Lucius, un air de... Putain, j'y avais pas pensé, c'est censé. Mais si on dit par contre, si on prévient, comme dit Max, parce qu'il a une bonne idée, qu'il y a une vente illégale qui se fait sur la place du marché, ici il est emprisonné, il pourra plus écrire et du coup on verra si la vague de suicide continue ou pas. Il a dit quand, Max? Samedi, c'est ça? Il a dit, c'est samedi entre 3 et 4 heures. Je sais plus, c'est vers 3h en tout cas. Samedi entre 3 et 4 heures. Ça nous fait une semaine presque. Ça fait une semaine entière. Bon, on se bouge là. Ouais, ça va, c'est dans une semaine. On va pas attendre là pendant une semaine. Allez, on dégage. Et donc du coup, on sort. Et est-ce qu'on a un moyen quelconque de remettre les scellés? Je sais pas, est-ce que vous avez un moyen quelconque pour remettre les scellés? Mais est-ce qu'on peut improviser un moyen quelconque? Qui est capable d'improviser un moyen quelconque pour remettre les scellés? Est-ce qu'il y aurait pas des dans la chambre d'Amandine des sortes de petits fils ou des choses comme du quelque chose qui permettrait d'accrocher les choses, en fait, comme pas du scotch, mais... C'est un scellé à la scie, on l'a dit. C'est un scellé à la scie. Dans ce cas, on prend une flamme, une bougie, et puis on refait le scellé. Ok, pas de problème.
ça me va. Qui se lance dans le... Je vais le faire parce que les autres doivent manquer de méticulosité. D'accord, très bien. Sauf Zéro, si Zéro veut le faire parce que lui, quand il fait ses robots, il est obligé d'être méticuleux, donc il est au pouvoir. Bah non, mais je pensais en fait assister Kara en fait, si c'était possible. Ouais, ok, ça va. Ouais. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites quoi? Vous avez refermé autant que vous pouvez, et ensuite vous faites quoi? On va rentrer, je pense. On va rentrer, ouais. Ok, c'est ça. Je peux. Vous pouvez juste m'attendre, je vais voir si Vanessa va bien. Ok. Faudrait pas qu'on s'en aille ensemble pour éviter que... Non, je pense que c'est bon. Elle se faufile rapidement, elle s'éclipse. J'en ai pas pour longtemps. Et au bout de quelques temps, elle revient. Ok. On peut rentrer, c'est bon. On entend un grésillement au côté... Ouais, ça va mieux. Nickel. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que... Quand Lina partait à l'appartement de Vanessa, j'aurais bien vu Max qui la suit un peu de loin, juste pas pour la voir, mais pour entendre sa voix, genre de choses, quoi. Quand les autres, notamment Kara, quand tu vois Max s'éclipser du groupe pour suivre Lina. Pardon, excuse-moi, est-ce qu'on peut répéter? Max dit que... en entendant que Lina veut aller prendre des nouvelles de Vanessa, et donc elle s'éclipse du groupe et demande au groupe d'attendre un petit peu, Max propose de suivre Lina pour ne serait-ce qu'entendre la voix de Vanessa et se rassurer. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Je lève les yeux au ciel et puis je le retiens par le bras s'il commence à y aller. Moi j'y vais, je dis de me lâcher et puis j'essaie de forcer un peu plus, quoi. Tu devrais comprendre que les gens ont besoin d'espace parfois. Je vois qu'on m'interdit d'y aller, je pouffe et puis je me barre sans attendre Lina et les autres, quoi. Du coup, quand Lina revient, elle... C'est bon, il est où, Max? Il a préféré rentrer plus tôt. Ok, bon, tout va bien en tout cas. On peut rentrer. Ok, au moment où vous rentrez, vous voyez, toi en particulier, Kara, tu vois au plafond, tu sais, du pôle sud de la base, une unique étoile qui a été peinte. Bah, je vais rien dire. Je sais ce que ça signifie, mais je vais le garder pour moi. Et donc du coup vous rentrez tranquillement, vous allez disposer de très peu de sommeil, hein, puisque à 5h30 du matin, vous êtes réveillé par Gladius, qui vient toquer à chacune des portes et qui commence à dire « briefing dans une demi-heure ». Du coup, une fois que vous êtes briefé, on va dire, vous arrivez dans la cour d'honneur de l'internat. Pas briefé, mais genre vous êtes préparé, voilà, vous avez une demi-heure pour vous préparer. Vous vous préparez, vous arrivez dans la cour d'honneur de l'internat. Et là, donc, vous avez Gladius, les bras derrière le dos, droit comme un yin. En mode au garde à vous, et à côté de lui une silhouette que vous n'avez peut-être pas vue depuis 2 mois, une femme donc
avec une grande robe blanche, des cheveux longs blancs, une allure très androgyne, et voilà, vous reconnaissez Soren Solipsis. Donc Max, quand on lui a dit que c'est dans une demi-heure, il aura pris 10 minutes de sommeil en plus, et puis il sera habillé à l'arrache et totalement débraillé, avec l'uniforme pas complet, quoi. Bah, moi je me suis préparée tout de suite, et contrairement à mon habitude où je mets jamais de maquillage, pour dissimuler les cernes des deux nuits de sommeil accumulées où j'ai quasiment pas dormi, j'ai foutu plein d'anticernes et de fond de teint, et donc du coup, d'un point de vue extérieur, ça fait naturel, parce que c'est juste ça, mais ceux qui savent que j'ai pas dormi se rendent compte que normalement je devrais avoir des cernes de folie, qu'on ne voit pas. Les autres. Pour ma part, j'ai essayé d'avoir l'uniforme la manière la plus droite et bien mise possible, étant donné que c'est Gladius qui est venu me chercher, que maintenant c'est les responsabilités qu'il faut bien faire, et je pense que je vais bailler 3, 6, 8 fois sur le chemin. On ne sait pas ce qui va arriver, mais que ça y est, maintenant, entre guillemets, l'âge adulte commence, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il faut essayer de faire bien les choses, quoi. Et je pense toujours à la mission d'hier, en fait. Je me dis, ce type avec les poèmes, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est lui qui est responsable de tout ça? Je suis très pensif, en fait. Mais je vais essayer de faire bonne figure devant Gladius. Pour ma part, mon costume est impeccable. Je l'aurais préparé la veille, j'aurais fait reluire les chaussures. Mais t'es obligé à manger malgré le manque de faim et à bien dormir, enfin à me coucher tôt. Relativement tôt, en tout cas. Du coup, je suis en forme. Bonjour, jeune Buck. Vous semblez fatigué ce matin. Salut. Oui, madame Solipsis. Un peu du coin de l'œil, Gladius, comme si il était. Bah, c'est lui qui lui avait dit de ne pas venir tout de suite, et il fait l'air sûr de lui, tout ça. Apparemment, vous avez eu une punition. Bah, bref. J'ai fabriqué pour vous des. Appelons ça des armures, avec un matériau très spécial, la philonite. Oh, c'est quelque chose que vous connaissez, je ne vous fais pas de mystère, vous l'avez déjà vu. Il me semble que Madame Gridway l'a présenté devant vous lorsque vous étiez tout petit avant d'arriver ici. Vous vous souvenez? Je le dis pas, mais intérieurement je cherche et ça me dit rien. Ouais, pareil, Max, il avait tête à autre chose, il avait pas remarqué la rose qu'on lui passait au-dessus de la tête. Ouais, pareil. Ah, Madame Gridway, vous avez passé une rose, une pierre en fait, taillée en rose, et elle ne réagit qu'au bug que vous êtes. Et comme la pierre a réagi, nous avons pu savoir que vous étiez l'espoir de l'humanité. Comme je le disais, j'ai donc construit les armures en philonite pour que elles ne puissent
n'aller que sur vous et vous permettre de passer dans l'ombre-monde. Vous vous souvenez de ce qu'est l'ombre-monde? Nous avions évoqué cela en cours, il me semble. Moi, je hoche la tête très sérieuse. Pareil. Pareil. Max prend un air faussement sérieux. Il hoche la tête. L'ombre-monde, la réalité de Cosmo et Rebirth, ce qui se passe, ce qui se serait passé si vous n'étiez pas, et heureusement vous êtes là, cette armure vous permettra de passer dans ce monde sans qu'il ne vous arrive rien. Du moins vous êtes plus ou moins en sécurité. Là, je me pose la question, du coup, est-ce que dans l'ombre-monde, il y aurait encore Amandine? Je ne la dis pas, mais je me la pose à ce moment-là. Oui, bien sûr. Du coup, vous voyez, en fait, rangé derrière Gladius et Soren, plusieurs armures qui sont recouvertes, en fait, d'un drap. Donc il y a sept draps, en fait, si vous voulez, qui recouvrent les armures. Et Soren va se retourner et les dévoiler, en fait, enlever les draps de façon très aérienne. On a l'impression qu'elle a presque fumé, elle est ailleurs. Du coup, est-ce que, Kara, tu veux décrire la première armure que tu vois? Qui sera la tienne? Ok. Alors, c'est une armure qui est blanche. Principalement blanche. Elle recouvre tout le corps. Elle est faite de différentes plaques de métal. Au niveau du torse, qui va de haut en bas, il y a une série de diodes, en fait, rouges brillantes. Et positionné au niveau des mains et de la poitrine, mais cette fois-ci dans le sens horizontal, il y a quelques petites LED bleues. Donc ça donne un aspect en fait d'armure principalement blanche au reflet rouge. Il y a un casque qui va avec. Qui est blanc avec une visière en fait qui un peu type casque de moto en fait, mais en beaucoup plus évolué, qui est noir en fait, qui est vitré pour pas qu'on voit trop le visage de la personne à l'intérieur. Très bien. Et du coup elle te fait en fait un signe de la main comme pour que tu t'approches de cette armure, et quand tu vas être devant en fait l'armure va s'ouvrir d'elle-même et elle va se plaquer contre toi et épouser les formes de ton corps. En fait, vraiment, on voit bien les muscles, ça met tout bien en valeur, finalement. Et elle est organique, en fait, voilà, c'est, on pousse bien toutes les formes de ton corps. Celle d'à côté, Max? Alors, celle de Max, elle est noire. Totalement noir, avec des petites LED pareilles à Kara, un peu opposé dans le sens où là on peut voir un peu de bleu chez Kara, ça sera rouge, et là où il y a un peu de rouge chez Max, ça sera bleu. Mais globalement, ça a un peu le même style. Il y a clairement une conception identique. Et pour ce qui est du masque, du casque. Le casque est noir et la visière est blanche argentée, en fait, un peu comme un miroir. On voit pas le visage, mais une fois porté. Et ça a un peu un effet réfléchissant, blanc quoi. Du coup, elle fait la même chose que pour Kara. Elle t'invite à s'approcher, à ce que tu t'approches en fait de l'armure, et l'armure va faire la même chose en fait, j'ai envie de dire s'agrandir un petit peu, et les éléments vont venir se projeter sur ton corps pour ne faire qu'un avec toi.
Alexis, la troisième, je n'ai plus compté, Soren va t'inviter à aller devant l'armure. Comment est ton armure ? En fait, elle est extrêmement fine. Elle ressemble un peu à un exosquelette avec des endroits où ça... Enfin, pour laisser bien le mouvement, en fait, là où il y a des plis dans le corps, en fait, on voit qu'il y a des sortes d'articulations. Et pour le casque aussi, il y a une, enfin, c'est un peu comme un casque de moto, mais sauf qu'il y a la forme d'un visage, en fait. Et ça se, enfin, à le regarder comme ça, on peut imaginer que ça va se plaquer contre le visage, avec la forme du nez, des pommettes et tout ça. Et en fait, ça a pas l'air, enfin. Ça a pas l'air extrêmement, enfin, comme ça, ça paie pas de mine parce que c'est transparent en fait, et pas très épais, voilà. Très bien. Bah du coup, quand tu vas t'approcher, l'armure va faire la même chose, hein. Ça va comme se désarticuler et toutes les parties vont venir se coller à ton corps et le casque notamment bien épouser la forme de ton visage. Recréant finalement un autre visage avec une couleur différente. Nathan. Bon, ce qui concerne Nathan, elle sera assez, en fait, totalement grise, mais avec beaucoup de rainures en fait vertes qui émettent des sortes de lumières petit à petit, comme s'il y avait un flux constant dans l'armure à travers ces lumières. Et au niveau de son casque, ça sera un casque vraiment avec deux grands yeux ronds, en fait, une forme très épurée, mais vraiment deux yeux du coup verts qui sont vraiment persistants et qui illuminent tout le casque autour, quoi. Très bien. Donc quand tu t'approches de cette quatrième armure, pareil, ça se déforme pour se reformer sur toi et ne faire qu'un avec... avec ton corps. Lina s'approche de l'armure qui est à côté de celle de Nathan. Elle est rouge, toute rouge, avec quelques nuances en fait de rouge à certains endroits au niveau des articulations d'autres en fait plutôt au niveau des reins, des choses comme ça pour bien repérer les différents éléments du dos donc elle va s'approcher pour faire comme vous intégrer son armure et Lucius va faire de même. Il a une armure plutôt dorée avec des petites ramifications au niveau des omoplates qui font comme des petites ailes comme s'il allait s'envoler et deux petites cornes. Peut-être que Soren a voulu se moquer de son cynisme. Il va faire le même travail, l'armure va faire le même travail qu'elle a fait pour vous autres. Et enfin, Akina va s'approcher d'une armure qui est plutôt couleur marron en fait, enfin, elle met bien en avant les muscles. Elle est très sombre d'apparence et un petit peu comme le on va dire l'humeur d'Akina en fait, quelque chose qui est discret, on va dire. Elle correspond bien au tempérament d'Akina. Et lorsqu'il va s'approcher, l'armure ne bouge pas. Akina écarte les yeux, regarde, vous êtes tous en armure du coup. Akina est devant la sienne, ce qui est censé être la sienne. Il regarde et l'armure ne réagit pas, du coup il commence à regarder Soren. Soren sort de son long manteau la rose, puis... Bah, Maria, vous avez placé devant vous, elle s'approche d'Akina pour voir si la rose émet quelques mouvements, quelques lumières.
Et il n'y a rien, en fait. La rose ne se matérialise pas. Vous voyez que Soren essaye de... Elle bouge un peu la tête comme pour reprendre ses esprits. Elle passe devant vous et lorsque elle arrive devant chacun d'entre vous, la rose se matérialise, éclot, magnifique, les pétales se déploient. Et elle revient vers Akina. Plus rien. Tout s'est rétracté, tout a disparu. Vous voyez Akina qui fait une tête d'enterrement, en fait. Il est à la fois étonné et très triste. Il commence, peut-être qu'il essaye, il commence à comprendre ce qui se passe pour de vrai. Et vous voyez qu'il retient un peu ses larmes, qu'il est sur le point de fulminer, en fait. Akina, je suis désolée. Je ne comprends pas, pourtant. Maria me l'a dit. Et elle se tourne vers Gladius, elle jette un regard plein d'interrogations. Gladius, elle est... comment dire, elle est très, très tirée, il fronce les sourcils, il dit... Soren, y aurait-il une méprise ? Soren... J'ai peur que... Oui ? Là, vous entendez Akina qui commence à, plus ou moins, entre guillemets, à péter un câble. Il commence à rire. C'est quoi cette mascarade-là ? Qu'est-ce que c'est que ce putain de mascarade ? C'est quoi ce portail ? Alors, moi, j'avais la tête pendant le temps où Akina a essayé de toucher son armure et où ça marchait pas, et les moments où Soren faisait des allers-retours avec sa rose. J'avais vraiment la tête de quelqu'un qui est en train d'assister à la fin du monde, quoi. Qui reste sur place avec les yeux écarquillés, choqués. Et du coup... Quand Akina commence à péter une durite, en fait, je vais en courant vers lui pour le prendre dans mes bras. Il va te rejeter violemment, en fait. Il va te rejeter violemment et continuer à rire comme un démon, en fait. Ça, en fait, c'était une blague! Une vaste blague! Une mascarade! Et là, vraiment, il a des yeux injectés de sang et il se retourne et il va commencer à courir dans le autre sens, en fait. Il va commencer à se barrer en courant, en fait. Et Gladius et Soren restent là en mode complètement étonné. Et Akina, il est parti dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de l'armure ? Max, oui. Il se débarrasse de l'armure et il commence à courir derrière Akina. Akina, il court vers le gymnase. Et il commence à monter, à grimper sur le toit du gymnase, en fait. Bah, Max le suit. Bah, moi aussi. Et arrivé en haut du gymnase, il écarte les bras, il tombe genou au sol et il commence à crier de toutes ses forces. Akina, je comprends que c'est difficile pour toi, mais tout ça c'est des conneries. On s'en fout de bug, pas bug, on s'en fout. Amandine, on tenait à elle, mais pas parce que c'était une bug ou une pas bug, on tenait à elle. Et toi, tu t'as pas le droit de craquer, il faut que tu tiennes. T'es notre... T'as toujours été celui qui gardait son sang-froid. Tu peux pas nous laisser. Reviens vers nous. Alors moi, j'entends le discours de Max et je me dis qu'il a rien compris. Et
Donc je vais attendre qu'Akina crie, parce que bah il a bien le droit de laisser sortir ce qu'il a. Et enfin, je vais déjà attendre qu'il réponde à Max s'il le souhaite avant de faire ce que je compte faire. Il va pas répondre à Akina, il est atterré, quoi. Il est dévasté. Là, je vais m'approcher doucement pour venir le prendre dans mes bras, très doucement. Du coup, si tu fais, enfin, ouais, très doucement, il va petit à petit. Au début, il va te repousser, mais avec de moins en moins de force, en fait, de moins en moins de conviction. C'est la première fois que les autres vous le voyez être parcouru d'autant d'émotions à la fois et aussi intensément, peut-être. D'habitude, il a un visage très stoïque, très très plat, quoi. Et là, c'est la première fois que vous le voyez, que vous voyez son visage déchiré par les émotions, quoi. Et il va accepter petit à petit l'étreinte. Mais en fait, il est comme moi, Akina. C'est le masque, tout va bien, machin. Et puis le jour où ça pète et pas qu'un peu, quoi. Donc je sais qu'il n'y a pas besoin de parler particulièrement, et enfin juste que être là et le tenir dans mes bras, c'est déjà beaucoup, donc je vais rester en silence à juste offrir mon affection. Du coup, Alexis et Zéro, vous êtes restés devant Soren et Gladius, c'est ça ? Ouais. Ouais. Gladius va s'approcher de toi, Alexis. Il va te dire... Alexis, je sais que c'est une situation délicate, mais au vu de ce qui vient de se passer, j'ai trois de mes éléments, disons deux de mes éléments, qui viennent de succomber à leurs émotions. Tu es la plus qualifiée aujourd'hui, à l'état actuel des choses, à faire ce qu'il y a à faire. Tu donneras ordre à Akina de quitter l'internat, s'il te plaît. Bien. Briefing dans une demi-heure sur le fonctionnement de vos armures. Oui, monsieur. Et du coup, il se retourne vers Soren et il entraîne un petit peu plus loin, et vous les entendez un petit peu... un petit peu discuter, on va dire, violemment de la situation, quoi. Gladius commence à critiquer Soren. Et Soren essaye de se défendre comme elle peut aux attaques de Gladius. Mais en attendant, l'idée, c'est qu'il vous ordonne de revenir au briefing dans une demi-heure avec vos armures et sans Akina, quoi. C'est ça l'idée. Ouais. Eh bien... Enfin, en fait, je sors de mon armure, parce que bon, pas non plus la peine d'aller le larguer, enfin de remuer le couteau dans la plaie, même si je vais être amené à le faire. Pour moi, ce que j'ai pensé quand j'ai vu tout ça, c'est que, en fait, depuis l'enfance, je me dis que ce qui vient d'arriver, ça devait arriver, mais ça devait arriver à zéro. Je me disais toujours qu'on s'était trompé, qu'on n'avait pas passé la fleur à côté de lui, que c'était pas possible, ou qu'elle s'était activée pour le groupe et pas dans le détail, et qu'il pouvait pas être un bug. Et là, en fait, enfin, non seulement, si, il est bug, mais en plus, enfin, pour moi, la personne qui représente la détermination ici, qui a été toujours un gros challenge de m'entraîner pour être au niveau, c'est lui. C'est Akina, donc le fait qu'il ne le soit pas, ça me perturbe énormément. Et puis, j'ai pas été le voir, parce que je sais très bien que moi, si on m'avait dit ça, il y aurait tout le but de ma vie, de mon existence, qui serait écroulé, donc il n'y a rien qu'on puisse dire. Et j'aurais tout cassé, je pense, je sais pas. Et donc, j'ai même pas essayé d'aller le réconforter. Parce que je pense que sa vie a plus de sens, en fait. Donc voilà, je pense à ça en enlevant mon armure et en me dirigeant vers là où ils sont partis.
Moi, j'aimerais quand même les suivre, enfin suivre du coup Alexis derrière. Même parce que j'étais complètement pris par la situation, j'ai absolument eu aucune idée, enfin de quoi faire. Akina, c'est vrai que je parlais pas plus que ça, mais je sais qu'il est animé par une détermination certaine et que vu de son attachement à son rôle, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Et j'étais complètement bloqué par la situation. Et je vois bien que de toute façon, c'est entre guillemets Alexis le chef, donc je vais suivre en enlevant l'armure, quoi. En se remémorant l'ordre de Gladius de revenir ici dans 30 minutes. Voilà. D'accord. Vous êtes sur le toit donc du gymnase avec un Max qui est, j'imagine, debout, Kara et Akina qui sont au sol, enlacés. Oui. Et je laisse un peu d'espace à Kara et Akina quand même. Et donc Alexis et Zéro, vous arrivez sur cette scène. D'accord. Là, je m'adresse enfin, je parle sans m'adresser clairement à quelqu'un en particulier, et je dis que hier soir, si j'ai refusé de vous rejoindre, c'est parce que ma responsabilité était liée à la base, et je sais que vous êtes sorti parce que il se passe des choses potentiellement dangereuses en dehors de la base. Et ça sort de notre sphère de compétences et d'influence. Et si je n'avais pas été un bug, je vous aurais suivi car je pense que l'on peut être utile ailleurs qu'ici, sur la base. Mais je suis bug et ma place est ici, et Akina, ton statut vient de changer et il va falloir que tu récupères tes affaires et que tu t'installes en dehors de l'internat. Mais garde en tête que tu peux toujours être utile à la communauté. Là où nous ne pouvons pas nous rendre, nous, d'autres personnes peuvent être utiles. Non, mais c'est quoi ton problème, Alexis? On a Amandine qui se fout en l'air. Il y a quoi? Il y a un jour, parce qu'on l'a pas aidé, une de nos amies, et là, on a encore un pote qui est dans une mauvaise passe, et toi, tu lui dis dégage? Mais justement, je pense que vous êtes égaré hier à sortir et que ce n'était pas votre place, mais que juste si vous avez des doutes fondés, peut-être qu'il pourra reprendre cette enquête et que grâce à lui, vous en saurez plus. Non, enfin non, mais ce que Alexis dit pas, c'est que, enfin, moi je sais pas quoi dire, je suis sous le choc, mais c'est une Gladius qui a ordonné ça. Je sais pas quoi vous dire. Mais en gros, il a demandé à, enfin voilà, que Akina soit plus là, et je sais pas quoi dire. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ouais. En même temps, hier on demande un massacre de civils. Aujourd'hui, on demande à se débarrasser des outils défectueux. Et demain, c'est quoi? C'est on prend la population pour servir de bouclier humain? Ça me dégoûte. Akina, écoute, ce qui nous retenait ici, c'est la responsabilité. Et c'est vrai que ta responsabilité change aujourd'hui, mais tu es toujours redevable à la communauté. Et je peux penser maintenant que ta vie n'a plus de sens, mais elle garde le même selon moi, c'est-à-dire dévouer ta vie aux autres, parce qu'ils se sont privés de nourriture, ils nous ont enseigné, et ils t'ont enseigné des choses pendant des dizaines, enfin 15 ans quasiment. Toutes ces connaissances-là, tu peux pas les envoyer en l'air, et tu leur es toujours redevable. Tu gardes, pour ça ta position ne change pas,
et tu seras utile, mais ailleurs. Akina, il a pas bougé depuis le départ. En fait, Kara, tu sens clairement que il fait des petits, tu sais, des petites oscillations en avant, en arrière, tu sais, un peu comme, je sais pas, comme une personne malade mentalement, tu vois. Fait des petits allers-retours en avant, en arrière. Il pleure. Il est en pleurs, quoi. Et il répond à rien de ce que vous dites. Bah, moi, je reste avec lui, je reste à l'étreindre, et puis je réponds pas à la conversation, que j'écoute que d'une seule oreille, parce que les quelques mots que j'entends, en fait, pourraient me donner envie, soit de perdre tout espoir et d'arrêter, en fait, d'essayer de faire ce que je pense être bon pour, parce que, visiblement, quand on essaye de faire ce qu'on estime bon pour ses amis, ça finit toujours mal. Ou me donne envie de leur coller des pains. Donc, j'écoute pas ce qui se dit et juste je reste là pour Akina. Quand même, moi, je me retourne vers Zéro et je te dis oui, il faudrait que tu ailles. Récupérer ses affaires puisqu'il n'est pas en état de le faire et que tu les rassembles. Et on se retrouve dans le hall. Dans le hall d'entrée. Mais il faudrait peut-être le faire avec lui, non? Enfin, c'est super dur ce qu'il vit. Hein. On va pas le jeter comme ça. Mais dans moins d'une demi-heure, on nous envoie peut-être en mission. Et on se doit de répondre. Voilà. Ouais. Mais je vais ranger ses affaires. Hein. Merci. Et tu vois vraiment que. Enfin, c'est pas qu'il. C'est parce qu'il a pas confiance en lui qu'il va y aller, quoi. Parce que c'est pas forcément ce qu'il pense, quoi. Mais bon. Mais vu qu'il sait pas trop quoi faire, bah il va y aller, quoi. Mais... Et donc, je vois que vous restez là et qu'il bouge toujours pas. Enfin, il est toujours dans son état second. Je vous dis, je reviens dans 10 minutes et à ce moment-là, il faudra considérer qu'il faut l'escorter hors du dortoir. Eh bien, Max va rester sur le toit pendant les 10 minutes. Il sait pas. Il cherche des paroles réconfortantes pour Akina, mais il n'en trouve pas donc. Il reste silencieux à côté. Du coup, la demi-heure va s'écouler bientôt, donc dites-moi ce que vous faites. Ah, moi, je leur laisse 10 minutes pour essayer de d'être avec lui, de lui parler éventuellement de briser son silence. Et quand je reviens, en fait, j'aurais été chercher pendant ces 10 minutes. Une piqûre avec un produit pour le à injecter au cas où il devienne violent si j'essaie de l'escorter en dehors de la base. Donc un sédatif. Cette piqûre, tu l'as à la main enfin la seringue? Non, en fait, je l'ai dans la. Enfin, il y a souvent des sortes de bouchons transparents au bout de l'aiguille, en fait. Donc j'aurais mis du produit dedans et j'aurais replacé le bouchon et je tiendrai dans la poche de mon pantalon, en fait. Ouais. Et du coup... Oui, vas-y. Quand je... là, je dis, c'est le moment. Et s'il n'y a pas de réponse, en fait, je me penche vers lui pour essayer de le redresser, en fait. Lui, en fait, il va vraiment être un pantin désarticulé, quoi. Il va se laisser balloter à droite, à gauche. Vous sentez que mentalement, il est peut-être plus là, quoi. Donc moi du coup en fait je vais rester à faire ce que je faisais déjà tout à l'heure là. Et par contre du coup je me mets quand même à revenir un peu aux préoccupations de la réalité
Et je me dis, mais enfin, pour moi, c'est sûr que si jamais on le met dehors, il va aller se tirer une balle, quoi. C'est et oui, on a déjà Amandine qui est morte. Donc pour moi, c'est hors de question. Accessoirement, c'est ironique, accessoirement, je me dis que enfin, comme je l'avais dit à Kina, je sais pas ce que c'est l'amour en termes de définition, etc. Mais ce qu'on a eu était quelque chose d'exceptionnel et j'ai pas du tout envie de le perdre. Et mais du coup, je sais qu'Alexis va arriver, qu'ils vont vouloir le foutre dehors, que je sais pas où il va se retrouver, que si ça se trouve, il va tout de suite aller sauter du prochain toit qu'il croise. Je deviens anxieuse au fur et à mesure et je vais essayer sur la fin, en fait, dans les 2 minutes avant qu'Alexis revienne, en fait, d'essayer d'avoir son attention, lui dire, de lui prendre le visage dans les mains, de lui dire regarde-moi, et de voir s'il a l'air de réagir, si j'ai l'air d'avoir son attention. Vaguement, ouais, tu peux vaguement sentir peut-être une lueur de vie au fond de ses yeux, mais elle est très faible. Bah, du coup, je le regarde vraiment dans les yeux, en lui tenant le visage et en collant mon front au sien, et je lui dis « Je te laisserai pas. Je te laisserai pas, d'accord ?» Tu sais pas s'il a effectivement eu le message ou pas, si tu lui dis ça, son état a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Tu vois quand même une lueur au fond de ses yeux, une lueur de tu sais, comment dire, de lucidité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être une faible lueur de lucidité. Il avait les larmes qui coulaient abondamment tu as l'impression que tu as été entendu. Mais il n'y a rien d'autre qui te dit ça, si ce n'est cette intuition forte que tu as vu une lueur de lucidité dans ses yeux. Ok. Ben, je vais continuer à essayer, en fait, de lui dire de ce genre de choses. Je vais lui prendre les mains, les serrer fort, lui déposer un baiser dessus, continuer à le serrer contre moi. Et ce, jusqu'à ce que Alexis arrive, finalement. Ouais, d'accord. Alexis arrive, donc. Eh bien, en fait, je le soulève et du coup, ben, je mets sa main sur mon épaule et vice versa, et je marche avec lui vers le hall. Tu le soutiens, l'escortes, oui. Comment ça se passe? Oui, je le soutiens, oui, si il met pas de force au mouvement. D'accord. Au départ, ça va être le cas, et puis au bout d'un moment, tu vas sentir qu'il va détacher son bras, en fait, de ton corps, marcher à côté de toi, de manière autonome. Et faut vraiment imaginer cette scène où vous avez la caméra qui est derrière Akina et Alexis. Au départ, Akina est un peu vautrée sur Alexis, et au fur et à mesure qu'ils avancent dans le hall, donc au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la sortie, vous voyez le bras d'Akina qui commence à se détacher d'Alexis, le corps d'Akina qui commence à se détacher d'Alexis, et vous voyez son visage qui passe de ravagé à stoïque comme avant, en fait. À chaque pas, comme si à chaque pas, il devenait de plus en plus stoïque. En fait, quand Alexis prend Akina et commence à partir avec, moi, je vais me positionner. Alors, il faut un peu imaginer la fille qui marche à reculons pendant que les autres avancent, pour regarder Alexis et lui dire « Alexis, s'il restait dans sa chambre, personne ne le saurait. » En fait, je te regarde, enfin, j'ai la tête, ma tête qui se tourne vers toi, et puis qui repart droit devant, en fait. Tu peux pas le mettre dehors dans cet état. Alexis, que ce soit clair, t'as peut-être la force physique de le dégager, mais t'auras clairement pas la force physique de nous ramener, moi et Kara, par la peau du cul. J'ai un petit sourire envers mon frère parce que, enfin, ça faisait tellement longtemps que juste il me tapait sur le système avec ses fêtes à la con, mais là,
je retrouve en fait nos valeurs communes et donc du coup j'adresse un sourire. Au moment où Max dit ça, Lina se place à côté de Max et elle va avoir du mal. Et en fait, j'ignore cette réflexion-là. Et en fait, je réponds un peu tard à ce que Kara a dit et je te dis que lui-même sait que sa place n'est plus ici. Parce que moi, je vois qu'il reprend le pas et qu'il marche, donc qu'il se résigne et qu'il intègre petit à petit, donc je réponds ça. Et cette fois-ci, je continue à marcher toujours à côté de lui et je m'adresse à lui sans le regarder. Je lui dis à nouveau, puisque j'ai l'impression qu'il entend plus que tout à l'heure. En tout cas, sa vie lui appartient toujours pas, qu'il y a énormément d'espoirs qui ont été investis en lui, que de matières premières et d'efforts pour qu'il soit formé et qu'il peut toujours être utile et que c'est son devoir de l'être même, puisque... Mais non, ce serait du gâchis. Il pourrait juste aller se suicider comme Amandine, en fait. C'est ce que tu dis ? Ben, attends. Il pourrait juste aller se suicider comme Amandine. Il est bug, il a eu la pression tout du long, et là, t'es en train de lui dire qu'il est encore redevable à la communauté, et ainsi de suite. Mais justement, c'est parce qu'il est redevable qu'il ne se suicidera pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Laisse-le, Alexis, laisse-le rester ici pour l'instant. Laisse-le au moins prendre ses affaires lui-même, le met pas dehors comme un chien. Du coup, en marchant, on arrive. Le groupe, en fait, arrive au niveau du hall où je suppose que Nathan attend avec les affaires. Ouais, j'essaie de faire de prendre ce que j'imaginais, mais j'ai pas vraiment su, quoi. Je suis toujours un peu. Le choc de truc parce que je me dis c'est vraiment aussi ce qui représente la détermination et le voir partir tout me semble complètement incohérent et injuste en fait et je sais pas quoi faire, j'ai vraiment la tête baissée, j'ai mis les affaires que j'ai pu trouver mais je me sens plus gêné et je suis très mal à l'aise en fait, vraiment extrêmement mal à l'aise. Lina s'approche de toi et prend les affaires que t'as dans les mains et elle met le sac sur son dos, elle prend les affaires d'Akina sur elle. D'accord. Moi, je mets aucune opposition. Je la laisse faire. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des taxis ou des choses comme ça comment on se déplace quand on se déplace pas à pied ? Non, on se déplace à pied, en fait. D'accord. La ville est assez petite pour qu'on puisse se déplacer à pied. D'accord, je vois du coup qu'il y a des personnes qui mettent les sacs pour aller l'escorter, tout ça. Moi, je dis en tout cas, je préviens tout le monde qu'il reste que tant de temps. Je sais pas exactement pour retourner là-bas et être prêt, en fait. Il reste pas assez de temps, il doit rester 3 minutes. Max et Kara échangent un regard. Et, moi, je dis ça et je pars. Hein. Et Max dit, bon Alexis, va devant, on te rejoint. On fait la bise à Akina et on arrive. Lina dit, vous en faites pas, de toute façon je vais l'emmener chez moi. Tu sais Alexis, un cœur de pierre, c'est pas une armure, ça protège pas. Et elle s'éloigne avec Akina. Ben, attends en fait, parce qu'on va venir aussi, on va récupérer 2-3 affaires et on vient. Max et Kara suivent. Faites gaffe parce que au pire qu'ils nous attendent. Fois qu'il y a un grand méchant qui nous mange, faites gaffe. Tu sens que Lina, elle est énervée, tu vois, par ton manque de courage et là ça la. Mais moi quand elle coupe la parole, je lui coupe la parole à nouveau et je dis non, au cas où il y ait un grand méchant qu'on ne puisse pas empêcher d'agir. Oh là là, mon dieu. Tu sens que Lina, elle a qu'une envie, c'est te poutrer la gueule et qu'elle le fait verbalement et qu'elle se retient. C'est la première fois que tu la vois dans cet état-là. Mais moi je prends zéro parle, je te touche l'épaule et je te dis est-ce que tu veux décevoir Gladius ? Et moi je pars, même en courant parce que il y a très peu de temps en fait pour rentrer. Lucius, je suis Alexis. Zéro, faut choisir. Ouais, je vais partir voir Gladius. Mais vraiment à contre-cœur, mais je vais voir Gladius.
Ok. Et là, en fait, en courant, un dernier truc. Quand je, en fait, la seringue que j'avais, qui était pour anesthésier finalement Akina, et ben en fait, je la jette par terre et je dis qu'en gros j'aurais, c'est pas sur lui parce que lui il a, pour moi il est resté digne jusqu'au bout, c'est sur les autres qu'il aurait fallu le, apparemment qu'il aurait fallu l'utiliser et puis voilà. Tu le fais, on le voit, on te voit faire oui. ça. Oui. D'accord. C'est en réponse à ce qu'a dit Lina, du coup voilà. Et puis, du coup, voilà, après, moi, je vais répondre à l'appel du devoir. Ok, du coup, Akina est amenée chez Lina. Alors, Lina, elle habite dans la ville basse, avec Vanessa. C'est une sorte de coloc, vous voyez le style, quoi. On va installer les affaires d'Akina. Akina est restée muet tout le long du trajet. Et l'idée c'est de le laisser sous la surveillance, entre guillemets surveillance, avec la compagnie on va dire de Vanessa, le temps que vous, donc Clara, Max et Lina, puissiez retourner à l'entraînement si vous le souhaitiez. Mais en fait, avec Max, ce qu'on a décidé d'un seul regard et qu'on s'est mutuellement compris, c'est que on n'allait pas rentrer. Du tout. D'accord. Alors, expliquez un peu. Parce que l'idée, c'est de. On rentre pas tant qu'on n'aura pas été rassuré par Akina, qu'on a réussi à le remotiver, à lui redonner un sens à sa vie. C'est-à-dire qu'on a déjà une de nos amies qui s'est flinguée la veille. Là, on note toute raison de vivre à un des nôtres. C'est hors de question qu'on le laisse tout seul, quoi. Ou qu'on le laisse sous la surveillance de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, en plus, moi, c'est Akina. C'est-à-dire, c'est la personne que je pense que j'aime. Enfin, je mets toujours des conditionnels parce que je suis toujours pas sûre de ce qu'est censé être l'amour, mais je vais pas le laisser comme ça. C'est juste impossible. Et si jamais Gladius Ward veut s'amuser à faire le général de la loi martiale, ce qui fait très bien hein, jusqu'ici, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que on laisse pas sa famille comme ça dans la merde parce que voilà, et que le premier devoir qu'on a c'est envers les siens. Et donc je ne manquerai pas de lui dire si jamais il veut venir me ramener lui-même par la peau des fesses, mais il est hors de question que je laisse Akina tout seul. D'accord, donc du coup Max, Kara et Lina du coup vont décider de rester avec Akina, tandis que Alexis, Lucius et Zéro sont retournés voir Soren et Gladius pour leur entraînement et pour regagner leur armure. En fait, pour Max, ce qu'il faut comprendre c'est que il s'en veut beaucoup pour Amandine. Et même s'il n'était pas si proche que ça d'Akina, en fait, il revoit un peu Amandine à travers Akina. D'accord, ouais. Et donc, il a toute sa frustration qui ressort. Hein. Alors, pour info, moi, j'ai jamais quitté mon armure. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu Akina se barrer, j'ai pas réfléchi, j'ai couru. Donc, mon armure, d'accord. Je l'ai conservée. Tu es là, du coup, la seule à avoir gardé ton armure. Moi, je l'ai pas, ouais. Ok, je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Et du coup de reprendre la semaine prochaine, même heure, même endroit, à partir de là, ça vous va ? Ok. Ouais. Ok. Il est encore tôt.